Salut, c'est Martouf. Alors aujourd'hui, j'espère que tu as le temps. On va faire une longue vidéo. Ou alors plutôt, j'espère que tu vas prendre le temps, comme j'ai déjà expliqué, avec notre cercle d'influence ou notre cercle de préoccupation. Il faut savoir être responsable, dire je prends le temps. Donc j'espère que tu prendras le temps de regarder cette vidéo qui va justement concerner le temps, la nature du temps. Quelle est la nature du temps? C'est une question qui m'intrigue depuis longtemps. Et surtout depuis un événement étrange qui est arrivé quand j'avais 13 ans. Donc ça fait un moment, hein, si tu vois la couleur de mes cheveux, tu te dis, ça fait quelques années. Donc, quand j'avais 13 ans, un été comme ça, j'ai perçu un événement dans le futur. Et tout d'un coup, il s'est matérialisé, réalisé quelques heures plus tard. Ça m'a un peu perturbé. Et depuis, je me pose pas mal de questions sur la nature du temps. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il est possible de voir dans le futur? Comme, par exemple, une voyante, elle est capable de voir dans le futur? Ou est-ce que c'est la loi d'attraction? Il y a des gens qui disent qu'on peut programmer le futur. Et j'attire ce futur et il va venir à moi. Il y a même des langues dans lesquelles, en fait, en arabe, on dit plutôt Inch'Allah. Hein, alors, le futur, ça vient selon Dieu. Il y a des langues dans lesquelles on va going to the future, on va aller vers le futur. Puis il y a des langues où on laisse venir le futur à soi, les langues nordiques plutôt. C'est très intéressant. Alors aujourd'hui, on va étudier tout ça. Et ça va faire un bon petit dossier. Et peut-être que tu perds du temps ici, mais tu vas en gagner plus tard en comprenant la véritable nature du temps. Ça se compresse, ça se décompresse. On va parler de lignes de temps, comment ça se bouge. Les lignes des arbres ici derrière. Et déjà, on va commencer par savoir. Alors, des grandes questions. Donc, est-ce que j'ai vu le futur ou est-ce que j'ai programmé le futur ou les deux en même temps? J'aimerais répondre à cette question ici. Et ça fait intervenir directement plein d'autres questions. Notamment, justement, est-ce que le libre arbitre existe? Est-ce que c'est moi qui décide de tous mes actes? Ou est-ce que tout est déjà écrit? Est-ce que c'est le destin qui est déjà écrit? Bonne question, hein. Il y a des gens qui disent, non, je suis toujours libre de faire ce que je veux. Puis il y a des gens qui disent, ah ben, c'est le destin, je pouvais pas faire. Parce que c'est inscrit dans mes gènes, j'avais une maladie qui s'est déclarée à un moment donné. Ça, c'est la version génétique. Puis il y a des gens qui disent, non, les gènes, c'est comme une bibliothèque. Est-ce que je suis obligé de lire tous les livres qu'il y a dans ma bibliothèque? Non. Il y a des livres, je les prends, je ne vais pas suivre le mode d'emploi qui est dans chacun des livres. Et je ne vais pas forcément mettre en place tous les gènes que j'ai en moi. C'est une ressource familiale. Ça explique pas mal de choses des fois. Il y a des familles dans lesquelles on a des ressources pour faire des choses et des fois pas. On est tous différents après, dans la même famille aussi. Donc voilà, question, destin, libre arbitre. Qui dirige ma vie? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est autre chose? Tout est déjà écrit? Alors les physiciens jouent pas mal avec tout ça, on y reviendra, mais aussi maintenant j'aimerais parler de notre perception naturelle du temps. Parce que voilà, le temps c'est cool, le temps est une réalité très concrète, bien que le temps physique, plus le temps avance, plus on découvre des étrangetés. Alors on va parler de ça aussi, un peu plus tard là. Et par exemple ici, le temps c'est cool, des moments comme ici, je suis calme. Posé, là, il fait beau, les oiseaux chantent, hein, tu les entends par là autour. Donc là, tout va bien, je pourrais rester longtemps. C'est des moments qui sont souvent trop courts en fait. Puis quand t'es malade, que t'es pas bien, que t'es au fond de ton lit, eh ben, t'es inconfortable, tu regardes l'heure tout le temps, tu vois l'horloge qui tourne, clic, clic, il n'y a qu'une seule seconde qui est passée. Voilà, et. La perception de l'écoulement du temps est une perception psychologique quand même très différente. Comment je sais que le temps avance aussi? C'est intéressant. Des fois, il se passe rien. Mais je sens quand même qu'il y a des processus biologiques en moi qui avancent, qui tournent. Il y a un cycle. Il y a aussi une question de, est-ce que le temps est linéaire? On va toujours vers le progrès infini? Ou est-ce que c'est un temps cyclique? On refait exactement ce que les générations précédentes ont fait. Là aussi, il y a des notions comme différentes. Si on arrive à suivre les rythmes de la nature, suivant la latitude à laquelle on se trouve, ça change. Sous l'équateur, il n'y a pas de saison.
Tous les jours, c'est pareil. Puis si on est, plus on va au nord ou au sud, ben, il y a des périodes où c'est le printemps, après c'est l'été, ensuite c'est l'automne, ensuite c'est l'hiver. Il y a tout un cycle comme ça. Puis si on veut cultiver, ce qui permet d'avoir à manger aussi, il y a tout un cycle. Donc une notion de temps qui est inscrite comme ça, en temps cyclique. Et les anciens vivaient beaucoup plus proche de la nature que ce qu'on vit maintenant. Et ça inclut directement une notion cyclique. Donc on reste dans la tradition. Ça a marché, donc on continue de faire ce qui a marché. Si tu t'en éloignes, tu risques de mourir. Tandis que maintenant, on est là. Innovation, 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 il faut innover, il faut se démarquer, il faut faire autre chose, il faut changer. Ça, on a déjà vu tous les jours des nouvelles, hein. Je vais voir les nouvelles. Les nouvelles, c'est ce qui est nouveau. Donc, en fait, les nouvelles du jour, les nouvelles fraîches, l'actualité, on a toujours besoin d'engranger quelque chose de nouveau. On n'est plus dans ce temps cyclique comme ça. Donc, on a une perception qui est différente. Et c'est une notion du corps humain. Biologique, on a des cycles en nous. Donc là, on a vraiment un temps qui est cyclique. On a aussi la naissance, l'adolescence, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, puis après, on décline et on meurt. Et une nouvelle génération arrive. Alors voilà, c'est souvent en fait des spirales. Moi, je vois ça aussi comme des spirales. Le temps, c'est vraiment une spirale. Il y a des petits machins, mais qui, si tu regardes le système solaire, on te le représente sous forme de cercle, mais en fait, si tu le projettes, les planètes, elles tournent autour du Soleil qui lui-même se déplace. Donc en fait, c'est une vision un peu différente sous forme de spirale. Il y a des questions biologiques dans les cycles qui sont là. Notamment, il y a eu un prix Nobel de médecine en 2017, donc c'est assez récent, qui a été attribué pour la découverte des marqueurs de l'horloge biologique. Nous avons une horloge biologique. Alors, ils ont trouvé une méthode pour faire une prise de sang pour savoir si l'horloge est en avance ou en retard, parce qu'il paraît qu'il y a des gènes qui expriment des protéines qui permettent de gérer l'horloge biologique. On ne sait toujours pas vraiment en fait ce que c'est que cette horloge, comment ça marche. Bon, toujours, on est dans les processus, c'est la loi de l'entropie, les processus thermodynamiques. On ingurgite de l'énergie, elle se transforme, elle était utilisable, elle n'est plus utilisable. Ça, c'est l'entropie, tout se dégrade. Sauf ce qui est vivant. Ce qui est vivant a tendance à croître et à transcender dans le temps la forme. Donc là, on a une notion de temps. Si on a une maison, elle tombe en ruine. Là, on voit la progression du temps. Si on voit un arbre, bah, il grandit. C'est un peu autrement, hein. Donc ce qui est vivant, ce qui n'est pas vivant, n'a pas la même relation au temps. Donc on a une horloge biologique. Alors ça, c'est un grand débat. Il y a les cycles circadiens, on parle en référence à la durée du jour, hein. C'est la première horloge qu'on a aussi, c'est jour, nuit. Ensuite, on a les mois. Les menstruations, c'est souvent quand même calqué sur la durée du mois. Et en fait, on remarque que aussi, il y a la période lunaire. On peut les regarder de plusieurs manières. Il y a les périodes lunaires sidérales et les périodes synodales. Donc, c'est déjà deux notions différentes. Et on tourne de 27,32 jours. En géométrie sacrée, on a ce même nombre qui retombe tout le temps, partout, tout le temps. J'ai fait plein d'articles sur la géométrie sacrée, toute une vidéo aussi qui décrit la géométrie sacrée. Donc t'as qu'à aller voir tout ce que je raconte là-bas. C'est des cycles qui sont déjà là. Le cycle de la Lune est très impressionnant parce que justement il tombe exactement là-dessus. Et on voit que le cycle des naissances, par exemple, une gestation, on dit que ça prend 9 mois. Mais en fait, ça en prend 10. Mais c'est pas le même mois. Chez les Asiatiques, à l'Orient, ils calculent autrement. C'est 273 jours. C'est 10 fois 27,3 jours. C'est pour ça que des fois on dit 28 jours. Et ça, c'est la période sidérale. Donc, c'est pour faire un tour complet de la Lune autour de la Terre. Sauf que la Terre se déplace en même temps. Donc, on doit faire un petit peu plus pour retrouver les mêmes phases de la Lune. Et là, on est plutôt sur 29 jours et demi en synodale. La rencontre, ça veut dire synode. Donc, pour retrouver d'une phase de la Lune une autre pleine, une pleine Lune à une pleine Lune, une nouvelle Lune à une nouvelle Lune. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que. On a deux cycles comme ça, et pour faire des calendriers, on fait des moyennes. Alors on a des jours, le mois de février à 28 jours, des fois 29. Après on a plutôt une moyenne de 30 jours, parce qu'il y a 30 jours ou 31 jours. On tourne toujours là, autour. Et on essaie de se faire des calendriers, ce qui est super, super compliqué en fait. Parce qu'on a ce cycle de la Lune, puis le cycle du Soleil. On a ces cycles, comme je disais, l'agriculture, mais avec des saisons. Puis si on calcule le nombre de lunaisons
pour une année complète, bah, ça colle pas tout à fait, il y a des décalages, on doit réajuster. J'ai aussi écrit tout un article une fois à propos des runes, que je pense être un calendrier. Donc ça peut être intéressant de voir, on parle aussi du jour Epagomen, c'est des jours qu'on rajoute ou qu'on enlève pour justement recalculer le calendrier julien. Ou le calendrier julien, c'était justement un calendrier qui a dû être remis en place pour le calendrier grégorien, avec des jours de plus. Et maintenant, ben, tous les 400 ans, on rajoute des secondes. Mais tous les années bissextiles, tous les 4 ans, on rajoute un petit bout aussi, un jour. Donc en fait, ben, on réajuste tous ces calendriers. Et ça, c'est un peu la base qui rythme nos journées. Les semaines, ben, ça vient de 7 jours, plus 7 jours, ça fait 14 jours, plus le double, 28 jours. Puis on a de nouveau cette phase de la Lune. Les semaines, les mois, on retombe un peu sur ces cycles-là. Et on a ce cycle journalier qui lui est exprimé. Dans la médecine chinoise, par exemple, on a vraiment que chacun des organes est irrigué par le qi à chaque heure précise du jour ou de la nuit. Et on a, par exemple, si tu te réveilles la nuit à 3 h du matin, c'est que tu as des problèmes de foie. Voilà, c'est un peu ce qu'on dit en médecine chinoise. Mais cette horloge, ben, elle est assez bien calibrée. Alors, naturellement, on se dit, bon, ben, elle est calibrée sur le soleil, sur la lune, sur ce genre de choses. Et puis, ben, non, il y a plein de gens qui ont dit non. Non, c'est pas vrai, on cherche l'horloge biologique. Donc on a des marqueurs maintenant qui permettent de voir si elle est en avance ou en retard, mais on ne sait toujours pas quelle est la base de temps, sur quoi elle se calibre, comment ça fonctionne. Des ordinateurs, hein, par exemple, ils ont un quartz. Le quartz, il est cadencé, puis il donne une fréquence de fonctionnement à partir de laquelle on détermine ben, les instructions du processeur, elles sont prises à un rythme particulier. Tac, 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 tac. Quand un processeur qui va à 1 GHz, et ben voilà, c'est 1 milliard de fois par seconde, il va prendre une instruction. Et puis il l'exécute. Donc on a un quartz qui sert à ça, mais le quartz ben, il est en interne, il permet de faire quelque chose qui fonctionne en lui-même, donc on a pour avoir une horloge biologique interne. Et puis ensuite ben, y a les serveurs NTP, comme on dit, hein, Network Time Protocol, ça permet d'aller chercher à l'extérieur un temps sur lequel on se resynchronise. Alors par exemple, derrière moi ici, il y a un observatoire qui a donné l'heure pour la Suisse pendant longtemps. Des petits bips qu'il y avait à la radio. On pouvait synchroniser. Au troisième top, il sera à 18 h 30. Bip, bip, bip. Voilà. Maintenant, on fait ça à la version informatique. On a des serveurs informatiques qu'on peut interroger, qui nous donnent l'heure exacte. Il y a plein de systèmes en tout genre qui utilisent ça. Il y a aussi des impulsions par le réseau électrique à un moment donné, qui permettaient de resynchroniser des horloges dans les gares, des choses comme ça. Ben voilà. Alors, est-ce que j'ai une horloge biologique interne, peut-être? Je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui la cherchent. On l'a toujours pas trouvée. En 1930, il y a un type qui s'appelait un biologiste, Erwin Bunig, qui lui avait déterminé que en fait l'horloge devait être interne parce qu'il n'avait rien trouvé comme cycle externe, justement les astres, le soleil et tout ça. Et en fait, ben voilà, 1930, ça a été balayé. On a dit il y a une horloge interne forcément. Et là, on la cherche toujours en fait. Et 100 ans plus tard, ben, presque, il y a des gens qui ont décidé qu'on pourrait peut-être reprendre ces notes, et ils ont découvert que, en fait, ben non, il a dû se planter. En regardant ça, il n'avait pas compris, il n'avait pas trouvé de cycle lui-même, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui existent. En fait, il n'avait pas cherché de cycle, il pensait que ça allait 24 heures au maximum. Et puis, ben, il y avait un cycle qui était plus long que 24 heures, en fait, qu'on trouve. Et c'est ça qui est intéressant. Au moment où j'enregistre cette vidéo, j'entends, peut-être que tu entends les cloches qui sonnent. Dong, dong, c'est midi. Et c'est aussi une manière de resynchroniser la vie de tous les paroissiens autour de l'église au milieu du village qui sonne les cloches. Dong, dong, dong. Voilà, on se resynchronise tous comme ça. Alors, on resynchronise notre horloge externe. Il se trouve que, bah, il semble bien que ce soit dû à la gravité. La gravité lunaire. C'est les cycles des marées. Les cycles des marées, ben, il se trouve qu'il y a l'eau qui monte, qui descend. C'est juste un bourrelet qui se déplace avec la gravité. Donc les plantes, on en est aux plantes, peut-être que ça viendra jusqu'aux humains, peut-être qu'on les fait à peu près de la même manière, ça arrive comme souvent, hein. Donc ce Erwin Bunning, il n'avait pas trouvé de cycle concordant. Mais voilà que les chronobiologistes ont retrouvé maintenant, il y a quelque temps,
un cycle de 6,2 heures. Si on combine ce cycle de 6,2 heures, on arrive à 24 heures et 50 minutes. Ça dépasse les 24 heures, donc Erwin n'avait pas vu ça. Avec ce cycle des marées, eh ben, ça fonctionne. Il semble qu'on arrive à se resynchroniser comme ça. Alors, c'est pas un cycle de 24 heures, c'est 24 heures 50. Et ça concorde assez bien avec des expériences hors du temps qui ont été faites dans les années 60, avec Michel Siffre par exemple. Il y en a une récente qui a été refaite aussi dans une grotte, où l'idée c'est de descendre. Moi je fais de la spéléo, effectivement on est complètement déboussolé. Des fois on n'a plus de notion du temps quand on est sous terre. On avance, des fois c'est assez compliqué à progresser, à avancer, ramper. Ça prend un temps fou. Et puis on se rend même pas compte qu'on a l'impression d'avoir fait 2 km, puis en fait on a juste fait 200 mètres. C'est très très déroutant. Et puis ben, c'est un bon endroit pour expérimenter, mais est-ce qu'il y a un temps naturel, un cycle naturel? Donc c'est ça que certaines personnes avaient voulu expérimenter. Donc en 1962, il y a eu l'expérience de Michel Siffre, où ils avaient dit qu'on avait un cycle de 25 heures. Les gens avaient tendance à s'allonger. Alors 25 heures, c'est aussi la durée du jour martien. Est-ce qu'on serait d'origine martienne? Bah en fait, si on retrouve cette histoire de marée gravimétrique lunaire, on a un cycle de 24 heures 50 minutes. Donc ce serait peut-être plutôt ça. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est pas forcément lié à la lumière, c'est pas jour-nuit, mais c'est le fait que la Lune, on la sent apparemment à l'intérieur, les plantes arrivent à la sentir. Il y a aussi des questions avec les bourgeons qui arrivent à pulser en fonction de certains astres, notamment Jupiter. Mais c'est aussi parce que Jupiter influence de manière gravitationnelle le Soleil, parce que Jupiter c'est une masse, la plus grosse planète du système solaire, et du coup ça déclenche les cycles qu'on connaît de 11 ans par exemple, sur les explosions solaires. Et puis et ben, ces cycles-là fournissent la lumière. Alors apparemment, dans certaines positions astronomiques, on a des lumières différentes, des cycles, et ça pourrait être des références. On commence à redécouvrir ce genre de choses. Ça commence à ressembler à l'astrologie. Les anthroposophes qui nous font de la biodynamie, tout ça, font vraiment de l'agriculture avec les astres. Alors c'est raillé par tous les scientifiques. Puis en fait, depuis une dizaine d'années, on commence à réobserver tout ça. Notamment Ernst Zürcher. J'ai aussi fait une petite balade dans la forêt avec lui. Il a expliqué plein de choses. J'ai lu son bouquin sur les arbres, et il y a beaucoup de choses, j'en ai fait un résumé, donc je peux aussi voir un article que j'ai écrit là-dessus. Et ben, on retrouve en chronobiologie énormément de ces principes qui finalement sont pas si farfelus, et puis ils peuvent s'expliquer, mais qui sont des micro-micro, c'est de la micro-gravimétrie. Comment on le sent, c'est pas encore très très clair tout ça. Donc voilà, on a ces cycles-là qui rythment le temps. Donc le temps, c'est quelque chose de très concret. Après, pour percevoir le futur, qu'est-ce que j'ai perçu quand j'avais 13 ans, comment ça marche, c'est pas forcément ces cycles qui vont m'expliquer grand-chose. Il y a aussi une notion de lumière, parce que dans les cycles du sommeil, on connaît qu'on a des récepteurs, des capteurs spéciaux dans les yeux, derrière les yeux, qui captent une sorte de lumière, et puis ça nous fait varier nos taux de sérotonine. Alors, c'est comme ça qu'on va finir par s'endormir à un moment donné. On prend la mélatonine, par exemple, pour varier le taux de sérotonine, et ben gentiment, on peut dormir. Il y a plein de gens qui disent, si tu regardes trop les écrans, ça fait des insomnies, et effectivement, c'est pas une lumière qui est adaptée, on a ce qu'on appelle une température, la lumière qui va changer. Alors c'est pour ça que maintenant, sur les ordinateurs, on a l'option Night Shift, qui permet justement d'adapter la lumière à l'heure. Et là, j'ai remarqué dernièrement que mon ordinateur a besoin que je lui donne le fuseau horaire dans lequel je trouve, que j'ai besoin d'un serveur NTP pour savoir justement comment ajuster ma lumière artificielle sur mon ordinateur, comme en fait elle varie naturellement ici dehors. Et avec ça, même si je fais beaucoup d'ordinateurs, je peux m'endormir parce que mon taux de sérotonine aura varié correctement en fonction de la lumière que je vois. Donc on voit qu'il y en a plein de capteurs, plein de trucs redondants. C'est comme en permaculture, chaque fonction est assurée par plusieurs éléments, et plusieurs éléments ont plusieurs fonctions. Voilà, alors ça c'est tout le côté biologique du temps. Ça, c'est vraiment toute une histoire. Alors, comment ça fonctionne? On va basculer dans le monde de la physique. La physique, c'est donc la science d'une façon la plus objective possible, qui va essayer de modéliser au mieux le monde dans lequel on vit, le monde qui nous entoure. Donc on va observer les choses et essayer de faire
de manière reproductive des expériences. Et si ça se reproduit, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne. Donc, depuis la Renaissance, mais aussi bien avant, dans les Grecs de l'Antiquité, chez les Égyptiens, il y a eu beaucoup d'observations qui se sont faites chez les Sumériens, chez les Babyloniens. C'est chez eux à qui on doit notamment une notion astronomique de codification tout ce temps. J'avais déjà parlé aussi comment, pourquoi est-ce qu'il y a 12 heures dans la journée. C'est parce que dans une journée, plus 12 heures pour une nuit. C'est pareil comme ça chez les Babyloniens, c'est qu'on a 12 phalanges. J'avais fait une petite vidéo aussi qui explique ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et si je veux compter, j'ai 5 doigts sur l'autre main. Donc je peux faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 12 positions. Et 5 fois 12, ça me fait 60. Et si je fais une division supplémentaire, donc j'ai besoin de plus de signes, ça fait 5 fois 12, 60. Il y a 60 minutes dans une heure. Il y a 60 minutes dans 60 secondes dans une minute. Et après, 12 heures par jour, 12 heures par nuit, ça nous fait 24 heures. Donc c'est de là que ça vient, en fait, nos codifications du temps. Et on voit qu'il y a énormément de civilisations qui se calquent sur les astres. On a des monuments mégalithiques comme Stonehenge qui sont orientés, les pyramides en Égypte qui sont orientées, qui permettent de voir les solstices, les équinoxes, le soleil, comment il est positionné, la porte du soleil de Tiahuanaco aussi. En Amérique du Sud, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et les astres, en fait, sont souvent une base de temps qui sont très, très utilisées. Parce que voilà, on voit ces cycles qui sont immuables, en fait. Donc, c'est toute la construction des horloges ensuite qui va faire. Moi, je vis dans le berceau de l'horlogerie. Donc, c'est tous ces gens qui nous font des montres. Et puis, on va essayer d'être toujours plus précis. Voilà ma jolie petite montre, justement, pour avoir le temps. Alors, il y a le proverbe qui dit, toi, t'as une montre, mais moi, j'ai le temps. Et donc, la physique, c'est la physique de Galilée, c'est la physique de Newton, c'est la physique qui est très mécaniste. Rien ne bouge. Une fois qu'on a réussi à déterminer les mouvements des astres, on se recalibre dessus. Et puis on arrive à déterminer énormément d'événements, on prédit le futur aussi. Hein. Si on arrive à prédire les éclipses, il y a des, notamment à Phalera, une grison, on a des mégalithes qui montrent des éclipses. Donc c'est très intéressant de savoir, on arrive à prédire le futur. Il y a la machine d'Anticythère qui est aussi toujours très intéressante, savoir qu'il y a 2000 ans, on a retrouvé dans l'épave du bateau Anticythère une machine qui semble être une horloge astronomique avec une petite manivelle qui permet de faire retourner des aiguilles en tout genre et puis de positionner, de faire un ordinateur astronomique. Donc ça peut être très très intéressant pour tout ça. Alors, ça c'est une physique qui a fonctionné jusqu'à une centaine d'années. Mais voilà qu'il y a un type qui s'appelle Einstein qui a tout révolutionné. Le temps a complètement changé. Parce que le temps, c'était mécanique, c'était cyclique. On ne peut pas en sortir. Et là, non, Einstein nous dit tout est relatif. Le temps, il est différent pour chacun. Enfin, on a un temps propre qui semble être plus ou moins identique, mais il ne s'écoule pas au même temps, suivant la vitesse à laquelle on va. Tout dépend de l'observateur. Alors voilà, c'est le 20e siècle, on débarque. Le temps n'est plus un absolu. Bon, comme on vit tous sur la même planète qui se déplace à la même vitesse, ça va. Donc, pour résumer un peu toute cette histoire de la théorie de la relativité, on a une seule constante de vitesse, qui est la constante de la vitesse de la lumière, la célérité, donc ça s'écrit C, la constante C, célérité, 299 792 458 mètres par seconde. 299 792 458 mètres par seconde. C'est rapide, hein? Là, on n'y va pas beaucoup plus vite, même si en fait, là, la Terre tourne et je vais super vite, sans que je m'en rende vraiment compte. Et puis, la relativité, c'est de se dire que le temps est un espace-temps. Donc, on a de l'espace et du temps, et ce serait la même chose. Donc, avec cette vision-là, en fait, je me déplace dans l'espace et dans le temps, et je me déplace à cette vitesse de la lumière. Et cette vitesse, en fait, différentes parties de moi, si je me déplace dans le temps ou dans l'espace, ça se compense, c'est l'un ou l'autre. Donc plus je me déplace vite dans l'espace,
moins j'ai de capacité à me déplacer dans le temps. Donc mon temps se ralentit. Et si je me déplace très très vite, à la vitesse de la lumière, ben, mon temps sera pratiquement nul. Donc le temps s'arrête. Le temps se fige à la vitesse de la lumière. Donc pour un photon de vitesse de la lumière qui se déplace, le photon est en même temps partout. Parce qu'en fait, il n'a pas de temps pour lui. Il ne réalise pas. Il n'a pas de temps. Donc voilà, on a ces questions du paradoxe des jumeaux qui vivent pas dans le même temps parce qu'ils vont pas à la même vitesse. Il y en a qui prend un vaisseau spatial, qui se balade, qui revient sur Terre, et puis voilà, ils ont vieilli. Alors tout ça, c'est des expériences qu'on a faites avec des horloges atomiques, voir qu'est-ce qu'elles ont fonctionné. Si on les met dans un avion qui fait le tour de la Terre plusieurs fois assez rapidement, ou si une ligne qui reste sur Terre, on observe tout ça. Et effectivement, les satellites, pour que le GPS fonctionne, on doit adapter et on doit tenir compte de ça. Et effectivement, c'est une théorie qui se vérifie. Donc Einstein a raison. Tout est relatif. Alors, est-ce que c'est ça ma perception du futur? Est-ce que tout d'un coup j'avais une information disponible tout le temps, partout, vu que je me suis projeté à la vitesse de la lumière? Est-ce que le temps, c'est quelque chose comme ça? Alors ça, c'est un photon, hein, un photon. J'ai parlé de photons qui se déplacent. Mais en fait, la lumière, c'est une question qui est étonnante. Qu'est-ce que la lumière, hein? On parle de photons, des grains de lumière, mais on parle aussi d'ondes électromagnétiques. Donc c'est une onde. C'est comme sur l'eau, l'onde, voilà, ça se déplace. Quand je lance un caillou dans l'eau, ça fait une onde. Et l'onde, en fait, c'est une onde électromagnétique. Comme la radio, comme ton four à micro-ondes, comme le Wi-Fi, comme le Bluetooth, comme tout ça. C'est des ondes électromagnétiques, elles ont des fréquences différentes, donc des oscillations qui sont plus ou moins rapides. Donc mes yeux ici captent de la lumière, et ce sont des longueurs d'onde différentes. Et les couleurs dépendent de longueurs d'onde différentes, de lumière qui réfléchit différemment à moi. Je les perçois comme étant des couleurs différentes. Donc ça c'est intéressant. Et du coup, est-ce que c'est un photon, des petits grains de lumière, ou est-ce que c'est une onde? Et là on entre dans le monde de la physique quantique. Ah là là, ouais, ça c'est compliqué. On dit que les deux théories sont possibles. La physique quantique, elle est issue justement d'Einstein. Einstein, il a reçu le prix Nobel, pas pour sa théorie de la relativité, pas pour E égale mc carré, mais pour son travail sur l'effet photoélectrique. Donc sur le fait qu'il y a certains matériaux qui émettent des électrons, des petites particules chargées électriquement, quand on leur met de la lumière dessus. Je prends un caillou, je le mets à la lumière, il émet des électrons. Électricité, photoélectrique, photo. Et c'était un phénomène tout à fait étonnant, on ne sait pas trop selon quelles règles ça peut fonctionner. Et pour ça, ben, il avait utilisé l'idée que Max Planck avait proposée à Einstein à quantifier la lumière, quantifier l'énergie. Et ça, c'est quelque chose qui a généré toute une nouvelle théorie de la physique quantique. Voilà d'où vient le mot quantique, c'est qu'on quantifie, on donne des états, il y a des seuils, il y a des choses qui se passent, et c'est pas un espace continu comme on a l'habitude dans le monde naturel, c'est que c'est soit là, soit plus haut, c'est un seuil. Et entre deux, bah, il y a un saut quantique. On passe d'un bout à l'autre, tac, tac, marche d'escalier, pouf. Alors c'est une sorte de pixelisation du monde. Cette vidéo, quand tu la regardes, elle a l'air continue. Quand tu la regardes de tout près, ben, y a des pixels. Alors, est-ce que notre monde analogique de perception ici autour, qui a l'air très continu, très lisse, ben, en fait, il y a la longueur de Planck, le temps de Planck. On peut creuser, creuser et avoir des pixels. Des pixels, ben, c'est la longueur minimale à laquelle on peut aller, c'est la longueur de Planck. Il n'y a pas de longueur plus petite. Parce qu'en dessous, ben, on ne sait pas trop. En dessous, on n'est plus. C'est la taille de l'écran, quoi. Est-ce qu'on vit dans une simulation informatique? C'est intéressant. Est-ce que quand j'ai perçu le futur, donc je serais allé au-delà de cette simulation informatique, récupérer une information ou en programmer une? Voilà toutes les questions qui nous amènent à ça. Très intéressant. Donc comme ça, il y a un temps minimum qui existe. C'est 5,939,1247 fois 10 puissance moins 44 secondes. C'est pas très grand, hein, c'est pas très long. Alors tout ça, bah, un peu compliqué. Einstein, il a eu quelques problèmes avec ça. Il
pensais que c'était un peu Dieu ne joue pas au dé, parce qu'on a une notion du hasard qui apparaît, des statistiques, probabilités dedans, dans la physique quantique. Tout d'un coup, c'est devenu compliqué pour lui pour gérer ça. Et bah, on a continué, hein. C'est pas très intuitif la physique quantique souvent. Mais voilà, bah, on y est et ça marche. Et pour ça, il faut proposer des expériences. Alors il y a les expériences des fentes de Young qui permettent de jouer à ça. Alors quand j'étais à l'école d'ingénieur, j'avais joué avec ça, avec des lasers. On fait passer la lumière à travers une fente, à travers deux fentes. Puis on va essayer de voir, est-ce que la lumière est plutôt onde ou est-ce que la lumière est plutôt photon? Petite bille, grain. Et là, c'est le drame. On observe que c'est les deux. C'est totalement paradoxal. Ce qui fait qu'on a toujours deux modèles différents pour décrire la lumière. La lumière est en même temps des petits grains, des petites billes, et en même temps une onde. Bizarre, hein? Parce que c'est notre modèle, est-ce qu'on comprend mal notre monde? Il faut savoir que la science est toujours un modèle, hein? Ce n'est pas la vérité. C'est ce qu'on en a compris, c'est un modèle qu'on s'en est fait, c'est une représentation mentale de la chose. C'est ce qu'on a de mieux actuellement. Donc l'expérience de Young, c'est quoi? J'ai deux petites fentes. Alors, on peut se dire, bah, c'est comme si j'avais une mitrailleuse, qui émet des petites billes, tic 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 tic, des balles. Puis j'ai deux fentes en face de moi. Donc en fait, si je peux envoyer des fentes à travers des balles, c'est comme des meurtrières là, ben je devrais voir des balles qui sont arrêtées, puis des balles qui passent à travers la fente. Donc derrière la fente, je dois avoir deux lignes, comme ça. Pouf. Donc si j'ai une seule meurtrière, une fente, bam bam bam, j'ai une ligne. Puis si j'en mets deux, et que je fais ça avec de la lumière, en fait, j'observe pas tout à fait ça. Avec deux fentes, j'ai ce qu'on appelle un motif de diffraction. Donc c'est toutes ces ondes qui se baladent. Quand tu vois des ondes qui s'entrecroisent, quand tu jettes deux cailloux, ben, elles s'entrecroisent. Si tu vois la sortie d'un port, quand il y a de l'eau qui est à l'intérieur du port, ça génère des ondes. Et puis quand tu as deux sources comme ça, ben, ça, elles ont tendance à s'entrecroiser. Et puis ces entrecroisements, ben, comme des ondes, quand il y a une positive et une négative qui se rencontrent, ben, ça annule. Donc ça crée ce qu'on appelle les motifs de diffraction. C'est des interférences entre des ondes. Ça crée des creux et des bosses, des amplifications et des annulations. Alors, ben, c'est bien, si j'envoie de la lumière comme ça, ben, je vois qu'en fait c'est une onde et que j'ai ce motif. Donc ça se présente derrière, ça s'atténue, ça diminue, pou, 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 on voit mon petit trait. Mais alors, si je continue, aussi étrange que ça puisse paraître, si je diminue avec mon petit canon, puis j'envoie ben, plein de lumière, je peux envoyer plein plein de photons, je peux envoyer des milliards de photons, puis des fois je peux continuer à l'envoyer de moins en moins, je ferme le robinet pour en envoyer jusqu'à un tout seul. Donc si j'ai un tout seul, puis qu'il y a deux fentes, par quelle fente est-ce qu'il passe mon photon? Là est toute la question. Donc on fait l'expérience pour savoir ce qui se passe, et il se trouve que on passe à travers les deux fentes en même temps. Donc l'expérience de Young, elle est très intéressante parce qu'elle nous prouve que un seul photon, quand on veut l'envoyer à travers deux fentes, il passe à travers les deux en même temps. Parce que derrière, on voit cette figure d'interférence. Donc s'il arrive à s'auto-interférer tout seul, c'est qu'il est passé à travers les deux fentes. Sinon, je ne vois pas d'autre explication. Ça veut dire qu'il est passé en même temps. Avant, comme je disais, le temps à la vitesse de la lumière, il y a presque plus de temps. Donc est-ce qu'il aurait le temps de revenir en arrière avant ça? C'est un truc qui perturbe un peu l'esprit. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il est passé en même temps? Ou est-ce que c'est une notion un peu plus complexe? Est-ce qu'il peut jouer avec le temps? Il peut être à plusieurs endroits en même temps? En physique quantique, ça devient compliqué, le temps. Et d'ailleurs, on a tendance à éliminer le temps, la physique quantique. Ouais, c'est vraiment un peu bizarre. Donc il y a aussi des intrications. On arrive à intriquer des photons. Et puis faire que, à distance, s'ils ont été mêlés entre eux, ils réagissent de la même manière entre eux, sans qu'on sache ce qu'il y a entre deux. Apparemment pas de lien, mais ils réagissent de la même manière entre eux. Ils communiquent, on dirait. Ça, c'est vraiment étrange. Donc l'intrication quantique, c'est aussi l'étape suivante.
Après l'expérience de Jung, on se dit, bon, la physique quantique, ça a quand même l'air d'être un modèle qui fonctionne. Bien qu'il soit en opposition avec le modèle de la relativité, quand on a des objets comme les trous noirs, ben, on a les conditions des gros machins très lourds ou des infiniment petits. Puis l'infiniment petit et très lourd, ça marche pas. Alors, soit ça n'existe pas et c'est ce modèle qui est faux. Ce que tend aussi à dire Jean-Pierre Petit, qui montre qu'en fait le trou noir n'existe pas, parce qu'il y a une limite, il n'y a pas de singularité possible, c'est qu'on passerait de l'autre côté. Donc en fait, c'est un trou noir, parce qu'on passe dans une autre version, d'un autre versant de l'espace-temps. Ça, c'est une théorie du modèle Janus qui est très intéressante. Mais voilà qu'alors, dans notre intrication quantique, justement, on peut faire une autre expérience, que celle-là a été faite en 1982. C'est l'expérience d'Alain Aspect qui a complètement chamboulé tout ça. Alors lui, il prouve qu'avec l'intrication quantique de deux photons qui réagissent en même temps, alors qu'on ne sait pas comment ils interagissent entre eux, eh bien il nous prouve que l'univers est non local. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire que l'univers est non local? Alors l'univers est non local, ça veut dire que quelque chose, on a tendance à se dire, ben, si je suis proche, ben, tu as plus de chances d'interagir avec moi que si je suis à l'autre bout de l'univers. Ben là, lui dit, non, quelque chose à l'autre bout de l'univers peut avoir une cause sur ma localité. Donc si je veux faire une expérience tout à fait scientifique et reproductible, je dois prendre en compte qui a pu rentrer dedans ou pas. Alors Einstein nous disait déjà que l'observateur a son importance, et là on est clairement dedans. L'observateur fait partie de l'expérience en physique quantique. Donc si c'est une personne ou une autre qui fait la même expérience, ben c'est déjà plus pareil. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore vraiment rentré dans la pratique scientifique. C'est qu'en fait, on ne peut pas faire deux fois la même expérience, parce qu'on est toujours un petit peu différent. La personne qui fait l'expérience va influencer l'expérience. Donc je dis, ben ça marche pas ton machin. Oui, ben avec moi ça marche, mais avec toi ça marche pas. Une question un peu plus sensible, subtile, ben ça devient compliqué de faire ce genre d'expérience. Quand on a des phénomènes qui sont quantiques, ça devient compliqué. Donc l'univers est non local. Donc si je devrais faire vraiment quelque chose pour faire une bonne expérience, je dois prendre en compte l'entier de l'univers. Donc peut-être que je dois prendre en cause les astres, les planètes, les positions et l'astrologie. Tout d'un coup, ça justifie l'astrologie. Bon, alors si jamais on peut faire de la téléportation, hein. Donc il y a des livres de science-fiction qui nous expliquent qu'il suffit de prendre avec un appareil et puis qu'on arrive à l'éloigner, à aller toujours plus loin, puis à l'autre bout de l'univers, on pourra communiquer instantanément. Mais il a fallu plusieurs siècles pour atteindre cet endroit. Mais après, instantanément, on peut communiquer parce qu'on a cette espèce d'intrication. Ça, il y a des nombreux livres de science-fiction qui parlent de ce principe-là. Et en fait, ben maintenant, c'est plus trop de la science-fiction, on y est. Il y a eu un record chinois dernièrement, 1400 km. On a réussi à envoyer des photons intriqués via des satellites qui sont capables de voir des endroits différents à s'éloigner. Et après, pouf, on peut faire bouger un photon d'un côté et il bouge de la même manière de l'autre. Et avec ça, ben, ça permet d'envoyer, par exemple, de créer un canal sûr pour envoyer des clés de cryptage. Après, on va utiliser les moyens classiques de télécom standard, Internet, pour pouvoir envoyer de l'information. Mais on sait que la clé, ben, elle a été transmise par un moyen sûr, totalement sûr, par un canal de téléportation. Donc voilà, on est dans la téléportation, un peu comme dans Star Trek. Donc c'est intéressant, hein? On arrive à vraiment une époque formidable. Alors, si on arrive à faire de la téléportation, ça sert à rien que de faire comme dans le film Contact, d'aller avec des énormes radiotélescopes écouter les conversations des extraterrestres. Parce que s'ils sont assez futés, les extraterrestres, ils n'utilisent pas les ondes électromagnétiques pour communiquer, parce que ça prend des années. Déjà qu'on voit rien que pour piloter un robot sur Mars, fallait un quart d'heure pour transmettre un signal. S'il faut faire plusieurs allers-retours, ça devient vite compliqué, hein. Puis là, c'était quand on était dans une bonne configuration. On n'était pas trop éloigné, mais il y a des configurations où on est beaucoup plus éloigné. Donc voilà, ça pose des problèmes. On ne peut pas gérer ça facilement avec des ondes électromagnétiques. Donc si on communiquait de façon secrète et instantanée avec de la téléportation quantique, c'est quand même beaucoup plus simple. Et ça ne s'écoute pas. Donc pour aller écouter les extraterrestres, c'est plus compliqué. Et pour écouter les communications militaires, ça va devenir compliqué, vu que
Ça existe. C'est pas encore mis au point vraiment complètement dans des appareils, ou peut-être qu'on ne l'est pas en courant, parce que c'est un bon avantage de pouvoir communiquer comme ça. Mais alors, comment ça marche? Quelle est la théorie là derrière? C'est un peu compliqué, on ne sait pas trop. L'intrication, on sait que ça marche, mais c'est difficile à savoir pourquoi. Alors, il y a une des théories que j'aime bien. Là, on bascule vraiment aux frontières du réel, les hypothèses. Le physicien français Philippe Guimant, il a développé une théorie physique qu'il appelle de l'univers flexible ou de la double cause. Parce que notre présent est déterminé par notre passé. Hein. On est assez d'accord, là, si je te parle, je te dis, bon, ben voilà, c'est la condition du passé qui font que mon futur va déjà être programmé et que mon présent est tel qu'il est. Si ça se passe comme ça. Mon futur, tout d'un coup, il devient un peu plus flou. Hein. Il y a plusieurs possibilités. Et Philippe Guimond, il dit, ben, dans l'autre sens, ça marche aussi. Le futur est déjà programmé et il nous influence notre présent. Voilà, c'est intéressant. On y reviendra. Et tout ça fait intervenir la notion de ligne de temps. Donc, je trouve intéressant, c'est que ces branches d'arbres ici, on peut les suivre comme ça fait des lignes, des embranchements. Le tronc, là, il est bien précis. Puis plus je vais loin, plus je commence à avoir des embranchements possibles. Des possibilités différentes dans mon futur. Et est-ce qu'il n'y aurait pas la même chose dans les racines? On ne le voit plus. Sous terre. Eh bien, sous terre, il y a la même chose dans les racines. Donc on a un passé, un présent, un futur. Là, on voit les possibilités, mais sous terre, on ne les voit pas. Si on renverse le truc, l'arbre, en fait. Dire que on voit notre passé, mais on ne voit pas notre futur. Et que juste ça, en fait, ça n'empêche pas qu'il existe. Ça n'empêche pas qu'il y a ce tronc. Là, je suis vraiment ici dans ce tronc, dans un endroit bien précis, où je suis dans le présent. Mais dans le futur, il est à plein d'embranchements. Et dans le passé, il y a plein d'embranchements. Donc avec ça, j'ai des lignes de temps. La ligne de temps, c'est un choix. C'est juste un futur, un présent, un passé qui sont alignés et qui font une ligne précise. Alors forcément, vu que je suis ici et maintenant, ce futur va forcément passer par ce tronc. Par contre, par quelle branche au-dessus de moi? Je ne sais pas. Et par quelle racine là en dessous? Je ne sais pas non plus. D'où je viens, d'où je vais, dans quelle étagère et tout ça. C'est très intéressant cette analogie. J'aime bien le tronc d'arbre parce qu'effectivement, je suis centré à un endroit où le présent, c'est une sorte d'endroit, la limite entre le futur et le passé, mais en fait, le futur et le passé, c'est la même chose, sauf qu'il y a un présent. Mais le présent, qu'est-ce qui le distingue? Qu'est-ce qu'il y a 10 minutes ou dans 10 minutes? Il n'y a rien de différent en fait. Donc là, est-ce que mon futur est déjà réalisé? Je tends à croire que l'arbre, il existe déjà. Autant dans le passé que dans le futur, autant dans les racines que dans les branches. Mais le fait de faire mon parcours, de parcourir, je vais être une conscience qui va parcourir cet endroit, bah là, ça change. Là, en fait, je peux choisir une ligne de temps. Je peux choisir un endroit par lequel je passe, un chemin, un sentier. Donc ça va être des notions que je vais développer un petit peu plus loin, mais je crois que là, il est temps que je te parle de mon étrange expérience de perception du futur. Maintenant que j'ai posé un peu déjà tout ça, après je te ferai quelques analogies avec notamment l'informatique. Si on est dans une simulation informatique, on va comprendre le monde par l'informatique. Donc là, je te ferai plein d'explications avec ça. Je te parle de mon expérience aussi. Et c'est parti. Alors, comme dans les Scooby-Doo, pour se remettre, il y a bien longtemps. Maintenant qu'on a les bases pour comprendre, je peux t'expliquer ce qui s'est passé et on pourrait essayer d'en discuter avec tout le vocabulaire, tout ce qu'on a déjà vu juste précédemment. Donc, quand j'avais 13 ans, j'étais à Antibes, sur la Côte d'Azur, pour des vacances. J'étais pas très loin dans un camping, on est venu à vélo jusqu'à Antibes pour venir visiter la ville. Au bord du port, il y avait un parking. Et on a décidé que pour aller dans la ville, ce serait plus facile de déposer nos vélos à cet endroit-là et d'aller à pied.
Allez voir la belle plage de sable qu'elle a, alors que tout le reste de la Côte d'Azur, c'est des plages de galets au bord de la route, avec des méduses dans la mer, ce qui peut faire qu'on peut même pas se baigner, même pas faire de château de sable, et puis que l'environnement n'est pas extraordinaire. Enfin, bref, j'en garde pas un super bon souvenir. Il y a des endroits, j'ai peut-être pas choisi le bon endroit. Et en tout cas, je suis arrivé là, dans ce parking. J'ai voulu laisser mon vélo avec tous les autres, et là, je me suis dit, j'ai senti, non, ça va pas. J'étais pas très rassuré, j'avais pas envie. J'étais, non, 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 il y a un truc qui cloche. Je me sens pas à l'aise, j'ai pas envie de laisser mon vélo là. Si je laisse mon vélo là, je sens qu'il va lui arriver quelque chose, qu'il va disparaître, que non, 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 je veux pas, je veux pas. J'étais persuadé que, ah, je vais me faire voler mon vélo, bordel. Donc non, je veux pas le laisser ici. Bah, mes parents, ils m'ont dit non, on va les cadenasser ensemble, on va les poser tous là, et puis tout ira bien, non, c'est bon, on va faire ce qu'il faut. Bon, d'accord, on a cadenassé 4 vélos ensemble. On est allé se balader, on a fait de la plage, on a été visiter cette ville, et puis en fin d'après-midi, hop, je retourne sur ce port, et tout d'un coup, là, ça remonte. Donc j'ai dit, non, j'ai pas envie, ah, je suis pas tranquille. Donc je suis allé en avance, j'essayais d'avancer, j'étais vraiment pas tranquille. Mes parents, oh cool, qu'est-ce qui se passe? Voilà, bon, moi j'ai dit, non, il faut que j'aille voir, faut que j'aille, je sens vraiment pas bien du tout, faut que j'aille vérifier, est-ce que mon vélo est toujours là. J'ai couru devant, je suis arrivé à 20 mètres, et qu'est-ce que je vois? Un cadenas coupé. Et trois vélos. Le mien avait disparu. Pouf. Plus de vélo. Mais est-ce que ma prophétie, tout d'un coup, s'était réalisée? J'avais vu, j'avais senti, j'avais vu, je me suis dit, non, si je laisse mon vélo là, il va se faire voler. Quelques heures après, mon vélo est volé. Mais pas les autres, juste le mien. Ça me perturbe. Alors, est-ce que j'ai vu le futur? Est-ce que c'est une prophétie? Je suis un bon prophète, je suis allé dans le futur qui s'est réalisé, mais avec toutes ces branches d'arbres là, je disais, le mauvais prophète, il va dans un autre futur. Alors, est-ce que j'ai pris cette bonne ligne de temps? Est-ce que du coup, ça tendrait à dire que le destin est déjà là et que j'ai pu le lire? Tout était déjà fait à l'avance. Ou alors, est-ce que j'ai créé ce futur? J'étais tellement persuadé qu'il allait arriver quelque chose que j'ai attiré ça. Ça, c'est une bonne question. Je ne sais toujours pas vraiment. J'ai eu une sorte d'intuition. Alors, en plus, mon vélo, c'était le plus pourri de tous. Hein. Chaque fois que je pédalais, c'était dingue, dingue, dingue. Il y avait un vélo tout neuf dans les 4 vélos. Il était toujours là. Cadenas, il était en deux par deux les vélos attachés. L'autre vélo, il n'était pas attaché du tout. On aurait pu le prendre. Mais non, on a volé que le mien. Donc, ça me concerne personnellement. C'est bizarre. Hein. Donc j'ai pu peut-être programmer ce futur en ayant tellement peur, en voyant ce lieu, je me suis dit non, ça va pas. Ou alors c'est peut-être maintenant avec cette vidéo qu'en fait j'envoie des informations rétrocausalité qui vont créer cet événement quand j'avais 13 ans. Parce que je diffuse cette vidéo, parce que je vais envoyer. Donc ça c'est une autre théorie, notamment ce souvenir du futur. Livre de Romuald Le Terrier, qui a aussi beaucoup discuté avec Philippe Guillemont et sa théorie, ça s'accorde assez bien, sauf que lui, il a observé ce que disent des Indiens Shipibo dans la forêt amazonienne, qui apparemment font des parties de chasse en prévoyant le futur et en programmant le futur. Ce souvenir du futur, c'est intéressant. Et là, justement, il dit qu'on peut le programmer à distance avec l'émotion. Et je me souviens que j'avais vraiment une forte émotion là. Alors peut-être que j'ai vraiment programmé ce futur. Et pendant des années, j'ai un peu oublié tout ça. Hein. Et après, c'est revenu quand j'ai vu la loi d'attraction. Il y avait notamment un film, Le Secret, qui vous explique que c'est les initiés du monde entier qui préparent tout ça, qui gardent ça secret parce qu'eux, ils savent comment programmer le futur. La loi d'attraction, alors, nous montre plein de gens qui ont une vie merveilleuse, qui se sont guéris de cancer, qui se sont guéris de maladies incroyables, et tout d'un coup, du jour au lendemain, ils n'avaient plus rien parce qu'ils ont visualisé le bon futur. Il y a des gens aussi qui ont visualisé la bonne maison de ses rêves et pouf, tout d'un coup, et c'est là. Et c'est vrai que moi j'ai quand même pas mal d'événements dans ma vie de ce style qui sont arrivés. Je t'en raconterai un aussi un peu plus tard, qui tente à penser qu'effectivement on peut se programmer un certain futur. Donc la vision du futur d'un destin déjà accompli ou la programmation. Est-ce que j'ai mon libre arbitre ou un peu des deux, comme le dit la théorie de la double cause de Philippe Guimond. Très intéressant.
Alors, notamment, il y a aussi le film L'Alchimiste de Paulo Coelho, hein, qui racontait les choses. L'univers conspire pour réaliser nos désirs. Conspire, c'est un complotiste. Hein. L'univers conspire. Mais on a une légende personnelle à accomplir. Donc, l'univers conspire à ce qu'on accomplisse notre destin. Donc, on a toujours loi d'attraction, destin. Est-ce qu'on a le libre arbitre ou pas? Est-ce qu'on a une partie de libre arbitre, mais pas complètement? Cet arbre qui pousse là, il y a des points où il est obligé de passer, mais d'autres où il est libre de choisir par où il veut aller. Peut-être. Hein. Et là, je suis en train d'enregistrer cette vidéo et le matériel que j'ai, un joli MacBook Pro, en fait, il est apparu comme ça, un peu comme par magie. J'ai fait une demande à l'univers et pouf, j'ai reçu ce MacBook. En fait, j'ai reçu l'argent qui me permettait de l'acheter. Je te raconterai cette histoire incroyable un peu plus loin. Donc maintenant, il est temps que je te présente qu'est-ce que je pense de la nature du temps. Comment est-ce que je vois le temps? À quoi il ressemble? Qu'est-ce que c'est? Alors, je dirais, l'espace-temps est un plat de spaghettis. Un plat de spaghettis plein de lignes de temps. Je dirais aussi que la vie est un blog. Voilà, on va rentrer dans cette nouvelle partie. On va étudier la timeline, comme sur Facebook, la timeline de chacun. Ouais, parce que, en tant que professionnel du web, en tant que codeur informatique, quand j'ai dû coder un système qui faisait un blog, c'est là que j'ai compris, oui, la vie est un blog. La nature du temps, le blog, les bases de données qui sont derrière, la programmation, la longueur de Planck, passer au-delà, les chamans qui en sont capables de voir des dimensions différentes, une réalité en état modifié de conscience, et d'aller manipuler des fois ces trucs-là, et de revenir. Des fois, il y en a qui se perdent, qui finissent à l'asile psychiatrique, et d'autres qui s'en sortent vraiment bien et qui arrivent à faire des miracles. Donc voilà, un blog, ça explique tout. Changement de décor. Voilà, avec des grands arbres qui symbolisent bien toutes ces lignes de temps. Ici, on les voit, grandes lignes de temps. Plein de futurs possibles. Et sous terre, la même chose. Le passé, le présent, le futur. Tout est déjà là. Mais après, il faut le parcourir. Alors, je dis, la vie est un blog. C'est comme ça que j'ai eu une révélation. C'est comme ça, en fait, en codant un outil de blog, que j'ai compris la nature du temps. Enfin, je dis que j'ai compris. On n'est jamais certain d'avoir vraiment compris. Mais en tout cas, il y a un truc qui me titille et j'ai bien envie de creuser. Donc, je t'explique. Le principe du blog, tu as déjà certainement visité un blog. Si t'as pas encore visité le mien, bah vas-y, comme ça tu sauras ce que c'est. Les articles les plus anciens, ils sont tout en bas. Les articles les plus récents, ils sont par-dessus. Ça s'empile. C'est un des grands principes qu'on retrouve partout dans la nature. Dans la paperasse sur mon bureau, hop, ben j'empile. La plus récente, elle est dessus, la plus ancienne, elle est dessous. Classement chronologique automatique. Rien besoin de faire. Dans la Terre, c'est pareil. Si je creuse, si je vais à la forêt là derrière, les couches géologiques les plus récentes sont celles qui sont dessus. C'est tout simplement les feuilles mortes que j'ai là. Les feuilles mortes tombent et ça crée de nouvelles humus par-dessus. Il y a les champignons, il y a des bactéries, il y a plein de petites bestioles qui décomposent tout, qui créent de nouvel humus, et ça s'empile. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de retourner la terre, pas besoin que la charrue, tout ça. Ça, c'est vraiment l'idée que on devait souffrir pour vivre, alors que non, en fait, ça se fait tout seul. La forêt, elle pousse toute seule, avec des énormes arbres comme ceux-là, tout seul. On ne va jamais les arroser. Ça pousse, ça marche. Donc ces couches géologiques, hop, 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 ça monte. Puis les archéologues savent bien que quand ils font une coupe, ben on remonte dans le temps, plus on avance. Et c'est là qu'on arrive à déterminer, ben ça c'est plus ancien que ça c'est une autre ancienne que ça.
Donc en archéologie, on détermine une certaine chronologie en fonction des couches géologiques. C'est un peu la causalité. Les couches les plus anciennes sont dessous, les plus récentes dessus. C'est un bon principe qui marche pas trop mal. Des fois, il peut y avoir des bizarreries s'il y a des couches qui sont retournées, comme ça. Et surtout dans les régions comme la Mésopotamie, avec les grands fleuves qui arrivent, le Limon qui se recouvre chaque année, l'Égypte, la Mésopotamie, le fleuve jaune sont les berceaux des civilisations agricoles dans lesquelles, en fait, bah, il y a de la nouvelle terre qui arrive par-dessus chaque fois et c'est super facile de cultiver. Faut pas croire que les gens se sont dit un jour on va aller cultiver. Ils avaient déjà la cueillette et tout ce qui allait. Il n'y avait pas de souci, ils mangeaient mieux d'ailleurs qu'avant, quand ils faisaient de la cueillette, que quand ils font de l'agriculture, notamment avec des chemins pour aller chercher des baies à manger. Bref, petite digression, j'ai aussi fait une vidéo où je parle des Sumériens, des tablettes d'argile, des choses comme ça, donc je t'invite à aller la voir. Donc, le principe du blog, on voit qu'il y a déjà une notion de temps. Un article, il va être par-dessus un autre. Les articles, c'est la même page web. Mais on avance. Alors, un blog, c'est tout un mécanisme comme ça qui permet de créer un article, ensuite de le publier et de lui rajouter des métadonnées autour qui sont justement la date, l'auteur, plein de tags pour les retrouver, des étiquettes, des catégories et des choses qui vont permettre de retrouver cet article noyé dans la masse. Sur mon propre site web, j'ai à peu près 700 articles qui sont publiés. Donc, pour les retrouver, ben, ça prend un petit moment, une certaine pagination, il faut remonter le temps. Et dans tous ces systèmes, en général, il est possible de programmer un article. Donc, pour répondre à la question, le futur existe-t-il déjà? Tout comme mon arbre avec toutes mes arborescences possibles, il existe déjà. Et ces arborescences, là j'ai un tronc derrière qui est bien sûr, solide, certain, tout passe par là. Et après, le flou arrive, c'est moins certain. C'est comme la météo, la probabilité de savoir la température de ces 15 prochaines minutes, je pense que là, il y aura encore du soleil qui fera encore beau et chaud. Mais demain, je ne sais pas trop. Et la semaine prochaine, pas du tout. Il peut faire super froid, comme il peut refaire chaud. On est un peu à l'aube du printemps. Ça change tout le temps, ça varie. Donc la prédiction météo, elle est aussi de plus en plus floue à distance. Donc dans mon blog, est-ce que le futur existe déjà? Eh bien aussi, oui, parce que là, je suis en train d'écrire des articles, mais ils ne sont pas encore publiés. Ils sont programmés. Pour certains, ils arriveront à des moments précis. Les vidéos aussi sur YouTube, on peut les programmer. Elles ne sont pas encore manifestées, mais elles existent déjà. Donc, j'aime bien dire, alors, le futur existe déjà, mais il est incertain. Il existe, mais il est non manifesté. C'est un peu des termes qu'on a parfois, certaines considérations spirituelles où on va voir plus loin des choses. Il y a des choses manifestées et non manifestées, mais elles existent toutes. C'est aussi le principe de la physique quantique, hein. Il y a l'expérience du chat de Schrödinger, par exemple, un chat mort-vivant. Il est mort et il est vivant en même temps, parce qu'on ne sait pas trop. C'est une question de probabilité. On verra. On y reviendra, la physique quantique. Donc, si il y a quelqu'un qui peut accéder au blog, le visiteur, il ne le voit pas. Il a une espèce de timeline du temps présent. Et tout d'un coup, il y a un nouvel article qui apparaît. Il voit que le temps avance. Mais moi, je peux déjà aller voir le futur, parce que j'ai les accès derrière. Et puis, bah, si je transpose ça dans le monde d'irréel, la grande illusion qui nous entoure, hein. Moi, je dis que la réalité, c'est l'illusion la plus communément acceptée. Donc à ce moment-là, je me dis que les chamans, les clairvoyants, toutes ces personnes extra-lucides, c'est des personnes qui ont des accès, c'est des programmeurs, c'est des personnes à qui on a donné un accès aux couches sous-jacentes de cette réalité, de tout ce que je vois là derrière. La couche sous-jacente, elle est intéressante. C'est le programmeur du blog, c'est l'éditeur du blog, c'est le propriétaire peut-être, ou alors une personne qui est un hacker. Alors c'est là qu'on va voir comment est construit un blog. Alors techniquement, je fais une petite digression, on va aller voir. Donc c'est le format HTML, qui est un format qui définit ce que c'est gras, italique, tout ça. C'est comme ça qu'on affiche une page web. Quand tu
Un navigateur web, il affiche des pages HTML. Mais les pages HTML, elles ne sont pas créées comme ça. À l'époque, il y a longtemps, oui, on les faisait un peu à la main, on écrivait directement les balises. Mais maintenant, on a surtout tendance à utiliser des outils qui vont générer ces trucs-là. Donc il y a un bout de code qui va générer ce format d'affichage. C'est juste un format, donc on peut afficher un format ou un autre, c'est pas très grave. Et derrière, donc les données, elles doivent être stockées. Et on les stocke dans une base de données relationnelle. Ça, c'est beaucoup moins connu. Les bases de données relationnelles, c'est par exemple MySQL ou son fork MariaDB. On utilise des tables qui ont des relations. Alors, comme c'est pas très connu, je crois que je continue ma digression pour aller voir ce qu'est une base de données relationnelle, comment ça marche. Alors, on va imaginer que j'ai un petit club de buveurs de bière. On se réunit tous les vendredis soirs pour boire des bières. C'est chouette. Bien. Pour ma vidéo sur les tablettes d'argile qui mentionnent déjà de la bière, ça te montre que ça fait un moment que ça fonctionne bien le club de buveurs de bière. Alors, sur les tablettes d'argile, justement, une espèce de tableur dans laquelle on note qui fait partie du club, puis ses coordonnées, où est-ce qu'on peut les retrouver. Et puis, à l'époque, ils avaient une adresse. Ça suffisait une adresse postale, hein, peut-être même pas la poste, mais juste savoir quelle ville ils habitent, voilà, qui c'est, le nom. Puis au bout d'un moment, on a inventé le numéro de téléphone, on a inventé l'adresse email, plein de choses très intéressantes comme ça. Mais du coup, c'est un peu comme mon tableur Excel où je rajoute des colonnes. Puis je dis, on va rajouter l'adresse email, on va rajouter l'adresse postale, on va rajouter plein de choses. Puis après, il y a des gens qui sont un peu embêtants. Ils ont, ah, moi j'ai perdu mon téléphone, j'en ai un nouveau, alors j'ai un deuxième numéro de téléphone. Bon, tu n'as pas envie de perdre l'ancien, donc tu rajoutes numéro de téléphone 1, numéro de téléphone 2. Puis après, tu en as un qui a des adresses email. Ouais, mais ça, c'est la professionnelle, ça, c'est celle de la maison, ça, voilà. Adresse email 1, adresse email 2, adresse email 3. Puis tu commences à avoir un tableur qui est compliqué. Là, je pense que tu comprends. Tu as déjà eu ce genre de choses, ma liste de membres avec chacun son numéro de téléphone, blablabla. Donc, ça va, c'est un peu embêtant ces colonnes parce qu'après, quand tu as trop de colonnes, adresse email 18, plus grand monde qui a 18 adresses email. Donc, ça prend plus de place puis ça empêche bien de faire la chose. Donc, on peut faire autrement. Et puis, pour une liste comme ça va. À la version Excel, c'est deux dimensions, hein, un tableau. Pouf. Quand on commence à avoir, par exemple, IMDB, énorme base de données de films dans laquelle on trouve tout ce qui a été fait dans les films, avec des acteurs et des films. Et il faut bien imaginer qu'il y a des acteurs qui ont été dans plusieurs films, puis qu'il y a beaucoup de films. Alors, si je fais une base de données de films, puis chaque fois je dois mettre le pedigree de chaque acteur dans la liste, ça va commencer à faire beaucoup, beaucoup de colonnes. Et là, on se dit qu'on va gérer autrement. Donc la base de données relationnelle, c'est finalement créer des objets. Il y a un objet acteur et un objet film, puis ils ont une relation entre eux. Alors par exemple, je peux faire ça pour mon numéro de téléphone. J'ai une base de données avec la personne, nom, prénom en général. Ça va, on n'en a pas trop des noms et prénoms. Après, on a l'adresse email, c'est une autre entité, puis il peut y avoir plusieurs objets. Alors je peux en rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 18, puis jusqu'à 18 adresses email, je mets 18 liens, et puis je relie ma base de données de personnes avec ma base de données d'adresse email, comme je relie ma base de données de film avec tous les acteurs qui ont joué dans ce film. Donc avec ça, j'ai une seule fiche acteur et je gagne un peu de la place parce que finalement, je fais juste des liens plutôt que de faire répliquer les données, les copier-coller 25 000 fois dans un acteur qui a joué 60 films. Je devrais répliquer 60 fois sa biographie dans 60 fiches de films différents. C'est un peu compliqué. Alors là, je fais 60 liens et ça suffit. Donc voilà, ça c'est comme ça qu'on fait une base de données relationnelle. Donc on a un schéma et on voit tout d'un seul coup d'œil. C'est pratique. Mais quand j'ai plusieurs adresses email, il faut quand même qu'à un moment donné, je fasse la relation puis que je linéarise le truc, entre guillemets. Donc je dois linéariser un contenu relationnel qui est fait avec plein de liens. Si j'essaie d'observer ça, c'est impossible. J'ai toute l'info qui est présente maintenant. Mais c'est un espèce de graphe, je boucle. Si j'ai une bonne vision globale, il y a des gens qui arrivent à voir les choses comme ça. Mais si j'ai une vision de détail, je vois rien. Et je suis obligé de parcourir. Et c'est là qu'en SQL, c'est un langage de requête pour traiter les données dans une base de données relationnelle. Donc, je vais pouvoir aller chercher ce langage
SQL pour l'utiliser. Alors par exemple, on fait toute une syntaxe select pour faire un article de blog. Hein. Select, donc je sélectionne les titres, le texte, la date, c'est ce que j'ai besoin d'aller voir comme information. From, article, c'est la table article. Where, ça c'est la condition que je vais mettre. Date est plus grand que la date du jour. Ok, alors là j'aurai ben, tous les articles où la date est plus grande, donc plus petite ou plus grande, hein, ça dépend, quand je peux orienter passé, présent, présent, futur. Et je peux l'ordonner, justement, order by, date, ascendant, descendant. Donc je peux choisir. Et là, j'aurai ma liste de blogs qui va se faire. Je prends tous les articles récents. Pour ma base de données avec les adresses e-mail, ben, je ferai un select nom, prénom, date, from, article. Puis après, ben, je vais faire une jointure entre une table et une autre table. Condition, ben, il faut que je trouve dans un identifiant que j'aurais mis dans mon autre table qui correspond à la personne. Puis avec, quand les deux identifiants sont pareils, ça veut dire que l'adresse email appartient à cette personne. Alors quand ça appartient à cette personne, ça me fait le lien. Et puis ben, avec une requête, j'arrive à faire une liste linéaire de tout ce qu'il faut pour avoir le pedigree de mon acteur de base de acteur de film, par exemple, tous les films qu'il a joués. Donc je fais des requêtes comme ça. Et ça, c'est un langage qui est utilisé. Donc on voit en fait qu'à partir d'une notion de lien en tous sens, où tout est là mais difficilement appréhendable, on va créer la linéarisation pour pouvoir l'appréhender. Un seul chemin. Donc c'est comme mes arbres ici au-dessus. Un seul chemin et pas 18 000. Donc je prends juste l'info dont j'ai besoin, l'expérience dont j'ai besoin, que j'ai envie de voir. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux voir tous les acteurs, toutes les... En même temps, ça doit être impossible de voir la base de données de tous les acteurs, de tous les films, en même temps. Comme ça. Donc je préfère voir un acteur, un autre acteur, une actrice, un autre, et je regarde. Et en fait, ben, déjà là, je sens qu'il y a une notion intéressante. On va linéariser pour pouvoir appréhender quelque chose de complexe. Donc, je vais peut-être revenir sur une autre image. J'essaie de faire plein de métaphores, parce que c'est quand même très compliqué à comprendre ce sujet. Si j'ai un oiseau, il y en a là. Un oiseau, souvent, il a un œil. Moi, j'ai les deux yeux de chaque côté, mais des fois, il a un œil d'un côté et puis un œil de l'autre. S'il aimerait voir avec chacun de ses yeux, ben, il doit me regarder d'un côté, il doit me regarder de l'autre côté. Va tourner, tourner. Il y a un temps entre les deux. Il ne peut pas faire les deux en même temps. Donc, c'est ça. Et il y a une notion, ben, notre conscience, en fait, c'est comme j'ai une lampe de poche, je me balade et je fais l'un après l'autre. On voit bien, nos yeux, ils sont aussi focalisés comme ça. On regarde à un seul endroit, la partie nette. Tout le tour, c'est une espèce d'ambiance, mais on n'est pas capable de, je suis pas capable de voir mes mains sur les côtés. Là, je sais qu'il y a quelque chose, mais je ne les vois pas vraiment. Et je dois tourner la tête pour les voir. Et là. Donc, en fait, si on se met dans la géométrie, il y a plein de manière de plonger des formes dans un autre espace et on voit des choses différentes comme ça. C'est quand on fait de la cartographie qu'on se rend bien compte, par exemple, une sphère, on la met à plat, on ne peut pas tout voir. Et puis après, on la reprojette et on la reconstruit. Et il y a plein de c'est des dimensions. Et quand on augmente les dimensions, on peut tout représenter. Quand on diminue des dimensions, ben on va perdre de l'information. Donc peut-être qu'on est dans un univers en multiples dimensions et qu'en fait on n'est qu'une projection, juste un écran plat dans lequel en fait bah derrière on projette un film d'une réalité qui a été prise avec une caméra mais qui était à l'origine en 3D spatial et tout. Alors que là on regarde juste un film en 2D. Il y a un peu des analogies à faire comme ça. Et du coup le temps est une notion qui découle totalement en fait de notre conscience dans la manière dont elle capte des informations, dont elle est capable de gérer cette information. Elle peut la gérer que de façon linéaire, elle n'est pas capable de la gérer d'un seul coup, comme ça. Pouf. Je suis obligé ben, de pointer ma lampe de poche et puis d'éclairer chaque petit bout l'un après l'autre, et pas tout d'un coup, parce que j'ai qu'une petite lampe de poche, ma conscience est une petite conscience, et j'ai pas une grande conscience. Peut-être que c'est ça un Bouddha, ou un dieu, ou... C'est quelqu'un qui a une grande conscience qui voit nettement plus de choses séparées.
à méditer, hein. C'est des pistes que je lance. Voilà. Donc en fait, ce que j'en suis certain, c'est que dans mon SQL, effectivement, tout existe dans les relations. On peut des fois faire des infographies avec des jolis schémas pour essayer d'appréhender cette complexité d'informations. Mais on est obligé après, pour vraiment la comprendre, mon blog tout d'un coup, c'est un peu le fouillis, mais si je lis un article après l'autre, ben, ça donne un sens. En fait, notre mémoire, elle fonctionne aussi en donnant du sens. Les gens qui ont une bonne mémoire, c'est souvent des gens qui arrivent à donner du sens à ce qu'ils apprennent. Et moi, je sais que je fonctionne assez bien comme ça. J'ai toujours bien aimé apprendre l'histoire par des causalités plutôt que par une date. Alors, machin, il a fait ça en telle année. Bon, ça me parle pas. Donc, je cherche du sens. Puis, les moyens mnémotechniques, c'est souvent trouver du sens. Il y a des méthodes, par exemple, des lieux en premier lieu, en second lieu, en troisième lieu. C'est des gens qui mémorisent un endroit qu'ils connaissent bien. Un appartement avec toutes les pièces, par exemple, puis ils mettent un objet dans chaque pièce. Et c'est ça qu'ils mémorisent. Là, on peut faire ça avec pi. 3,14159286, s'il peut pas. Ben, dans chaque pièce, je mets un chiffre. Puis là, je fais ma balade, puis du coup, j'ai associé. Et on a un système comme ça qui linéarise, et je pense qu'on a une notion de conscience qui fonctionne comme ça. Alors, pour revenir à mon blog, ben, le programmeur est un chaman. Le chaman est un programmeur, par analogie. Il a accès à tout ça, mais il doit faire des requêtes SQL. Il y a des bons chamans qui savent faire des bonnes requêtes SQL. Ils connaissent les requêtes de l'espace-temps. Et il y a les mauvais qui, eux, ben, peut-être qu'on leur a donné un accès, mais en fait, ils pigent rien à la programmation. Et là, ça peut être vraiment, vraiment dangereux. Le mauvais chaman, s'il commence à faire des complications là-dedans, ça peut vraiment partir dans tous les sens. Et puis, dès qu'on joue avec l'espace, c'est déjà pas facile, mais jouer avec le temps, ça peut poser des problèmes. Si on fait l'analogie avec le blog, on peut aller modifier le contenu d'un événement du passé. Par exemple, des fois, ça m'arrive de modifier des fautes d'orthographe dans un article qui a 10 ans. Ok, ben, c'est bien. Donc j'ai des outils, c'est pas forcément que du SQL, mais j'ai des outils, on a des outils qui nous aident à faire tout ça aussi, et qui nous protègent de faire des erreurs dans la base de données. On accède à la base de données par plusieurs couches aussi, donc c'est aussi ça, c'est toute une complexité à connaître. Des fois, ben, je fais des liens vers des articles du futur, depuis des articles du passé, donc c'est assez intéressant, ça permet en référencement d'augmenter sa visibilité, mais du coup, en notion causalité, c'est un peu bizarre que dans un article du passé, je cite déjà un article du futur. Ça crée des bugs dans le temps. Et ça crée des bugs encore plus quand je modifie les dates des événements et que tout d'un coup, ben, ma requête, elle va les ordonner autrement. Je retourne les couches géologiques et pouf, je me retrouve avec une botte en caoutchouc plus vieille que les dinosaures. Ça pose des problèmes. Il y a comme ça des hoop arts, des artefacts hors du temps qui sont des problèmes. Ça existe. Et par exemple, moi je m'intéresse aussi pourquoi est-ce que les anciens Égyptiens semblaient connaître et utiliser le mètre qui est censé avoir été une création de la Révolution française il y a 200 ans. Les anciens Égyptiens, peut-être que. Est-ce que il y a un bug du temps qui aurait été inversé? Ou une autre explication. Je sais pas. Et justement, c'est pour ça que je creuse ces idées, tout genre. Mais en tout cas, il y a des bugs temporels qui arrivent des fois. Et après, ben ça, c'est juste un contenu qui est conforme à la base de données, mais qui est peut-être pas cohérent dans la causalité. Par contre, on peut ensuite rendre du contenu non conforme à la structure de la base de données. Alors, on va utiliser des types de données. Hein. Si je veux trier des choses, des fois sur une date, il faut déjà que je me mette d'accord sur un format de date. C'est quoi une date? Comment je l'écris? Les Américains, ils écrivent dans un sens, puis les Européens dans un autre aussi. Hein, les dates, les mois et les jours. C'est déjà pas évident. Et puis sur, ben, il existe en SQL justement des normes avec des formats de type comme le format l'année tiret le mois sur 2, 0,1 par exemple, 0,2, 2, par exemple, j'écris la date 2022. 01 22 tiret 22, pouf, ça me donne une date. Et ça, c'est un format qui est reconnu, qui est assez humain. Mais il y a aussi, les ordinateurs aiment bien compter, faire des compteurs. Et on utilise par exemple dans les systèmes Unix,
La date d'origine, la date époque qui s'appelle, c'est le 1er janvier 1970. Avant, rien n'existe. Avant, c'est une date non valide. Le temps n'existe pas. Et depuis le 1er janvier 1970, on compte le nombre de secondes. Et le nombre de secondes s'incrémente, puis on a un grand, grand chiffre qui grandit, qui grandit. Donc comme ça, on peut comparer si le chiffre est petit ou si le chiffre est grand. S'il est grand, c'est que c'est le futur. Si c'est les petits, c'est le passé par rapport à là où on se trouve. Alors, époque, moi ça me fait penser à Matrix aussi. Il y avait un des personnages qui s'appelle Époque. Je me suis toujours posé la question si ça avait un lien avec ça ou pas. Parce que Morpheus, les bras de Morphée avec les miroirs. Morphée, c'est justement celui qui a les miroirs dans la mythologie grecque avec Néo, qui est l'anagramme de One, l'élu. On dit toujours que c'est l'élu, le One, Néo, Néo, Noé, Noé, nouveau. L'élu du nouveau monde, le Noé, qui nous sauve du déluge. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et Trinity, ben, je ferai la Trinité, ce genre de choses. Ben, bref, Matrix, c'est tellement plein d'images. Il y a époque. Bon, époque, à quelle époque on vit? Ben, dans notre calendrier habituel, on a avant ou après Jésus-Christ. Bon, et là, les ordinateurs, c'est avant ou après époque de 1er janvier 1970. Alors, s'il y a une date qui est faite fausse par un mauvais chaman qui se plante dans le SQL, il m'envoie un événement avant l'existence du temps. Ou alors dans une date qui n'existe pas. Et l'événement est perdu au milieu de nulle part. Je sais pas. C'est un peu compliqué. Hein. Qu'est-ce que ça devient? Si j'ai un article de blog, ben, il va plus s'afficher, il va s'afficher à moitié, il s'affiche pas au bon endroit. La causalité, ben, elle est plus respectée. Et puis du coup, c'est un peu bizarre. Donc ça corrobore aussi tout ce que dit Christophe Alla, qui est un clairvoyant et informaticien. Donc ça aide. Moi, il parle beaucoup de tous ces trucs-là en termes informatiques. Donc il vit vraiment dans un monde très étrange, je dirais, mais qui finalement, ça le parle pas mal, tout ça. Hein. Et justement, il parle de la notion temporelle. Il dit justement qu'on a des passés qui sont vécus et des passés non vécus. Donc c'est comme mes histoires d'arbres ici. Il y a des embranchements et des racines en symétrie. On est dans le tronc du présent. Futur, présent, passé. Et ben, c'est cette ligne de temps qu'on va choisir. Donc on est dans un passé, il peut être vécu, et dans un passé non vécu. Donc tout existe, mais c'est pas forcément par là que notre conscience est passée ou pas. Et lui, il parle de ça. Et il dit justement que avoir des perceptions, c'est quelque chose de très compliqué. Lui, il a fait une espèce de ce qu'il appelle un éveil de Kundalini. Tout d'un coup, il était couché en train de méditer, et pouf, il a eu la lumière partout, il a changé sa vision du monde. Et il a vu l'énergie, plein de choses comme ça autour de lui, et bien, la structure sous-jacente du monde. Donc là, et lui, il dit, c'est pas facile, vaut mieux ne pas avoir de perception que d'en avoir et de ne pas les maîtriser, et de mettre 15-20 ans à les maîtriser. Donc Christophe Alain nous dit qu'il y a des passés vécus, des passés non vécus. J'ai aussi entendu d'autres géobiologues parler de ce genre de choses. Il y a des gens qui parlaient de son double du passé, de son double du futur, qu'il suffisait de communiquer avec, et que le double du passé et le double du futur ne peuvent communiquer qu'avec celui du présent, nous-mêmes. Et ça pourrait peut-être correspondre à la notion du Ka des Égyptiens. Il y a toujours ces statues du Ka, et quand dans la mythologie égyptienne, il y a des gens qui y naissent en même temps le Ka et la personne. Mais le Ka, c'est celui qui a une vision globale sur toute la durée de la vie. Il voit dans le passé, présent, futur, et c'est lui qui est en rêve la nuit. On peut discuter avec son cas et permettre d'intégrer les meilleurs futurs, de savoir où on va. Donc peut-être que c'est ça aussi. Il y a des notions de ces lignes de temps, justement, je trouve que c'est intéressant parce que on comprend bien avec l'arborescence qui sont de chaque côté, mais il y a aussi d'autres analogies que j'utilise, avec notamment des sentiers. C'est bien de voir qu'il y a des sentiers qui existent, puis il y a plusieurs chemins possibles pour aller au même endroit. Et des fois, il y a des raccourcis, des fois, il y a des détours, des obstacles, des gens qui prennent des marécages, et puis d'autres qui prennent le pont, et puis ça va tout seul. Donc là, mais c'est des analogies intéressantes. Je cherche ben, dans les formes dans la nature. Moi, je m'inspire toujours de la nature, parce que c'est ce qui marche, c'est ce qui fonctionne, c'est la réalité. C'est effectivement ça qui m'inspire. Et dans la nature, ben, on peut aussi parler des rivières. Les rivières, il y a une goutte d'eau qui passe, puis elle descend. Elle est attirée par la gravité. Elle a une sorte de libre arbitre, du coup, parce qu'elle peut choisir si elle veut aller d'un côté ou de l'autre.
Mais elle n'a pas un libre arbitre gigantesque. Puis elle est obligée de rester dans certains endroits un peu vallonnés. Mais on voit des fois des arborescences qui se font, des endroits où ça vient, ça sépare, ça se rapproche. Les arbres ne font que de se séparer vraiment, il n'y a pas un endroit où ça se rapproche. Mais on a des arborescences comme ça, et je trouve que c'est intéressant de voir cette analogie aussi avec les rivières. La vie est un long fleuve tranquille, oui ou non? si on doit se coller à la réalité physique qu'on observe, il faut aussi se rendre compte qu'on a le principe de l'entropie dont j'ai déjà parlé, qui est aussi le second principe de la thermodynamique. Donc on a de l'énergie qui est utilisable, qui se transforme en énergie inutilisable. Il faut savoir que le premier principe, c'est le principe de la conservation de l'énergie. Donc quand il y a des gens qui veulent dire qu'on va produire de l'énergie renouvelable, c'est un peu un abus de langage tout ça, parce qu'en fait c'est de l'énergie utilisable pour nous, mais en fait une énergie ne disparaît jamais, c'est juste qu'elle se transforme en quelque chose qu'on n'est pas capable d'utiliser. On a beaucoup plus de densité énergétique dans un litre de pétrole, mais l'énergie qui permet de chauffer une pièce, c'est difficile de la capter pour pouvoir l'utiliser pour faire un travail mécanique par exemple. Donc ce principe de conservation de l'énergie, il doit absolument être respecté dans tous les domaines. Et justement, quand je disais l'intrication quantique, quand il y a un truc qui bouge à un endroit, puis un truc qui bouge à l'autre bout de l'univers, ou à 1400 km, comme le font les Chinois, ça pose un problème. Ça veut dire qu'énergétiquement, il doit y avoir aussi une compensation quelque part. Donc si on pense que la non-localité de l'univers marche aussi dans le temps, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui bouge dans le temps quelque part, eh bien, il doit se rééquilibrer dans l'autre sens aussi. Si j'assèche un bras de rivière à un endroit, il y aura un surplus à un autre endroit. Donc si je modifie des lignes de temps, des passages, ça a un impact global sur l'espace-temps en entier. Donc là, on retombe quand même sur la théorie de la double cause de Philippe Guimond. Je suis dans mon présent, l'éternel présent moment, le moment présent. Et de là, en fait, mon présent va être influencé par mon passé et par mon futur. Lui, il nous dit que le futur va nous influencer parce qu'effectivement, c'est bien une ligne et je suis au centre de cette ligne. Donc, il y a un équilibre qui se fait. Si je décale d'un côté, je décale de l'autre. Poup, 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 poup. Moi, ça me conforte dans l'idée que c'est intéressant. Et là, c'est vraiment la notion de ligne de temps qui est importante. Alors, je ne sais pas si c'est très très clair pour tout le monde ce que c'est qu'une ligne de temps. J'essaie de le montrer. Là, j'ai des arbres ici. Par exemple, le tronc, là. Il peut grimper, 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 et je choisis une ligne de temps. Je ne fais pas toutes les branches, j'en choisis une. Je veux vivre ça. Et parmi toute cette arborescence du futur et du passé, je choisis celle-là. Qu'est-ce qui peut programmer ce futur? Comment est-ce que je choisis cet endroit? Donc est-ce que c'est mon libre arbitre? Ou est-ce que je dois aller à des endroits qui sont précis? Donc ça c'est intéressant. Alors personnellement je suis persuadé qu'on peut avoir un libre arbitre et qu'on peut choisir la destination du futur dans laquelle on veut aller. Puis qu'ensuite ça va suivre. Mais qu'on est obligé de suivre parce que là on voit que l'arbre est déjà présent. Donc le futur est déjà présent. Mais ma décision de où je veux aller peut changer. Donc toutes les possibilités existent plus ou moins déjà. Tous les futurs horribles, toutes les dystopies existent. C'est à moi de choisir quel est le loup que je nourris. Comme dit la fable, et le bon, le méchant loup, c'est celui que je nourris qui va être celui qui gagne. Donc voilà, j'ai des petites expériences qui me confirment ça, notamment le fait que mon réveil est mort il y a déjà bien longtemps. Et j'ai décidé que j'avais pas besoin de le remplacer, parce qu'en fait, mon réveil, je me réveillais toujours quelques secondes avant qu'il sonne. Je me suis dit, j'ai pas besoin de réveil, quoi. Si c'est pour voir un réveil qui sonne, ça me sert à rien. Donc je me programme. Et après, je me suis amusé à me dire, mais c'est parce que je me réveille toujours à la même heure, c'est parce que je dors la même durée, c'est pourquoi. Alors j'ai essayé de faire plein d'expériences, mais j'arrive toujours à me réveiller pile poil. Et j'ai fait des expériences hallucinantes. Je crois que mon record, c'est quand même 3 secondes. C'était vraiment, je me réveille, j'avais programmé, je me suis dit je réveille à 7h30, comme ça, pouf. Je tourne la tête, je regarde mon réveil, ça fait bip, bip, pac, et il sonne. Voilà, on peut... et ça c'est pas qu'une fois, c'est plein de fois. Donc c'est là que j'ai dit, loin le réveil.
Donc je me programme, donc je suis capable de lancer l'intention qu'à une telle heure je vais me réveiller et pouf, ça marche. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté souvent. J'ai expérimenté de me réveiller à 3h du matin, de me réveiller à 6h, de me réveiller à n'importe quand pour essayer de questionner tout ça. Il faut avoir beaucoup de confiance. Donc effectivement, quand on a un rendez-vous le lendemain, on doit partir tôt, aller choper un train, un avion, partir où, c'est tendu. Par contre, si on a une journée tranquille, c'est les vacances, bah, c'est pas grave. Hein. J'ai dormi une heure de plus, bah, voilà. C'est pas grave si jamais. Mais là, du coup, je suis persuadé qu'on peut programmer son futur et se dire, ben, c'est à ce moment-là que je vais faire ça. Et c'est aussi comme ça que je m'amuse à me programmer. Ben, je veux me revoir toutes les heures miroir, quand c'est 21h21, 22h22, 23h23. Et des fois, c'est fou, parce que j'ai un petit truc, tout d'un coup, je me dis, je sens que je dois regarder poc l'heure et je regarde et. Ah! Paf, une heure miroir. Je regarde poc. Et ça, c'est quand même hallucinant. Je me suis programmé, je me suis dit ça. Il y a une période, je m'étais dit, ah, ce serait bien que je passe dans les médias au moins une fois par mois. Bon, j'avais envie. Et effectivement, les 6 mois suivants, une fois par mois, j'avais un article sur moi, un truc de télé, quelque chose, pour des sujets divers et variés qui n'ont rien à voir. Mais tous les mois, j'avais un passage média. Puis après, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai fait l'expérience et j'ai plus eu. Là, il y a franchement, c'est des expériences personnelles qui font que tout d'un coup, je me dis, oui, alors le temps, ça se programme, les événements qu'on a envie de voir. Après, j'ai fait des expériences superbes, puis des expériences un peu. Les bouquins sur la médecine, je lis plus, hein, parce que toutes les maladies qu'on peut choper, j'ai réussi à me faire des maladies comme ça, j'ai l'impression. En étant un peu hypochondriaque, je sais pas si c'est programmer le temps ou essayer de se mettre dans un mauvais état d'esprit, mais en tout cas, il y a quelque chose. Et notamment, ben, mon MacBook, il est arrivé comme ça, pouf. Donc, je te raconterai encore un peu plus tard l'histoire en détail. Donc, si on peut programmer une ligne de temps, je me dis quelle est la destination que j'ai, par où je veux aller. Après, peu importe par où j'y vais, hein, tous les chemins mènent à Rome, mais moi, je vais décider que je vais aller à Rome. Alors, on va comprendre ces lignes de temps de nouveau par une analogie informatique. Comme ça va peut-être être plus clair. Donc, quand on programme, pour faire un programme informatique, c'est une énorme superstructure, c'est une cathédrale à construire, c'est quelque chose de très complexe. La plupart des gens ne voient pas la complexité de l'informatique et c'est très abstrait. Donc c'est difficile d'avoir déjà tout en tête des fois pour faire un programme correct. Donc on utilise des outils pour éviter des bugs, on segmente beaucoup les choses, on travaille à des fois à plusieurs en parallèle, donc ça augmente la complexité. Et là, on est obligé d'utiliser un outil de gestion de version. Alors par exemple, on utilise l'outil Git, parce qu'on fait par étapes, et puis c'est en constante interaction, c'est évolutif, on change régulièrement les choses, et des fois on revient en avant, on revient en arrière, on ajoute des choses, et il faut qu'on ait toutes les versions enregistrées. Et puis ben après, quand on doit partager avec les autres, on doit partager des versions qui sont stables aussi. J'ai bossé sur une partie du programme, tu bosses sur l'autre, on se partage le travail, mais quand on les remet ensemble, ça doit marcher les deux. Il ne doit pas y avoir des effets de bord, un truc qui va influencer le truc de l'autre. Donc pour se prémunir de ça, on a des outils de gestion de version. Alors, Git, ça a été créé par Linus Torvald, le même qui a créé Linux, qui voulait faire un système de fichiers avec ça, donc c'est pratique. Hein. Les versions de fichiers évoluent, on peut choisir de revenir dans le temps, remonter. Et en fait, ça a surtout été utilisé pour les programmeurs. Donc, quand il y a un bug qui arrive, des fois, on peut faire un refactoring. Alors, notamment, je vais déconstruire une partie qui fonctionnait mais un peu mal pour la reconstruire d'une autre manière. Il y a plusieurs algorithmes. Un algorithme, c'est une espèce de recette de cuisine et je peux faire. Ben, un cake à la banane, je peux avoir plusieurs recettes différentes. Si le but c'était d'avoir un cake à la banane, moi j'avais une recette, mais elle marchait pas bien parce qu'elle demande des ingrédients que j'ai pas. Donc je change ma recette par une autre recette qui me donne un résultat équivalent. Alors des fois j'avais oublié des trucs. Il y a des bugs, il y a des choses qu'on a envie de faire. On appelle ça un refactoring. Alors, quand on fait un refactoring, quand on recrée le tout, on est dans un état instable. Là on peut pas le publier. Parce que si je publie des choses seulement qui sont stables, qui fonctionnent. Je ne m'arrête pas au milieu d'une étape importante. Alors par exemple, si la métaphore, je peux changer un peu la mécanique, ça te parle plus. Si j'ai mon vélo et puis que je dois changer une chambre à air,
C'est en plus la roue arrière qui a la chaîne, la cassette et tout, et je dois tout démonter. Alors je vais commencer à tout démonter, bah, ça ne va plus marcher. Puis bah, j'ai une cassette ou une autre cassette, c'est équivalent, ça va fonctionner les deux. Ce n'est pas le même programme, ce n'est pas le même truc, mais c'est équivalent, ça va fonctionner. Donc du coup, si je démonte, puis que je m'arrête au milieu, que j'enlève la chambre à air, le pneu et tout ça, bah, je vois bien que mon vélo ne fonctionne plus. Donc je ne peux pas partager ça avec mes collègues qui sont en train de bosser sur l'autre partie de l'application si je leur fournis une application qui ne fonctionne pas. Donc là, je suis dans une espèce de flou, dans un non-temps. Puis ensuite, bah, une fois que j'ai fini, je remonte tout, ça refonctionne, et là, j'enregistre une nouvelle version. Donc en fait, dans mon programme Git de gestion de version, je vais enregistrer que des versions stables, l'une après l'autre. Donc c'est un peu comme un saut quantique, une version stable et une autre version stable. Le passage entre les deux, il n'existe pas, parce qu'il était dans le boulot du programmeur qui va changer, et entre deux, ben c'est pas enregistré. Donc si je regarde toutes les versions, ça passe d'une version stable à une autre version stable, sans qu'on voit l'intermédiaire. Donc c'est un peu, si je passe en dessous, du temps de Planck, comme j'avais expliqué. Alors là, on peut peut-être essayer de cogiter à l'évolution darwinienne, par exemple. Il y a des bugs. On sait que, ben, comment est-ce que tout d'un coup un animal s'est décidé, ben, je vais faire une aile et puis ça va partir. Et hop, ça monte. Ça vole. Y a plein de choses assez compliquées comme ça. Quand on essaie de faire le darwinisme, ça fonctionne seulement. Donc il y a plein de théories, il y a le lamarckisme, il y a le darwinisme, si je fais une petite. Il y a plein de gens qui interprètent mal en fait ce que c'est déjà que le darwinisme, donc je précise. Par exemple, quand on voit une girafe, ben, on s'est dit, oh, ben, elle voulait toujours aller chercher l'autre, elle a eu un avantage compétitif en se disant, je vais rallonger mon cou. Alors là, c'est plutôt du lamarckisme. Vouloir une intention pour faire apparaître quelque chose. Le darwinisme, ce n'est pas du tout ça. Le darwinisme, il se dit, il y a eu des bugs, il y a eu des mauvaises retranscriptions de l'ADN, des choses qui, tout d'un coup, ont fait des gènes qui ont, tout d'un coup, fait une girafe avec un cou à peine plus grand. Cette girafe, ben, comme elle avait un avantage compétitif dans la reproduction, parce qu'elle peut manger plus, ben voilà, elle a eu un avantage, et les girafes, ben, avec un cou plus grand. Alors, il faut croire que c'est arrivé 26 000 fois, hein, que la. Un cou un peu plus grand, un peu plus grand. Puis on a sélectionné, les autres sont morts et il n'y a plus que les gens, les girafes au grand cou qui se sont sélectionnées elles-mêmes. Alors on observe des fois que ça marche, effectivement. Et alors là, c'est vraiment une opposition totale au créationnisme. Donc il faut surtout pas que ce soit un dieu qui ait décidé. On dit qu'il n'y a pas de téléologie, donc il n'y a pas de sens à l'existence. Ça se fait au hasard. Et du coup, c'est le dieu hasard qui décide. Parce que, c'est le dieu hasard, quand on n'arrive pas à expliquer quelque chose, c'est le hasard. Ça, c'est la méthode scientifique. Quand on n'explique pas, c'est le hasard et beaucoup de temps. Donc, on revient sur cette notion de temps. On a des singes qui tapent sur leur machine à écrire et puis qui font énormément de choses et en fait, dans un temps infini, ils arrivent à générer l'infinité de l'univers, de tout ce qui existe. Le problème, c'est qu'on n'a pas un temps infini. On a 13,7 milliards d'années de l'âge de l'univers. Et déjà, rien que faire un Rubik's Cube au hasard dans ce temps-là, avec un grand nombre d'opérations par seconde, digne des ordinateurs qu'on a de nos jours, au hasard, ça ne marche pas. On n'a pas assez de temps. Donc déjà, ça me questionne. Et puis, ben, peut-être qu'il y a eu des choses hors du temps, comme ça. Le darwinisme, si on veut que ça fonctionne, ben, tout d'un coup, il y a peut-être eu une intention lancée, et hop, des choses qui se sont imbriquées pour aller dans une certaine direction. Peut-être qu'il y a quand même téléologie. C'est un autre sujet, mais je trouve que c'est intéressant de méditer là-dessus. Parce que si on a la théorie de Philippe Guimond qui dit que le futur influence le présent, ça veut dire qu'on a peut-être le futur qui influence la programmation au hasard de certains gènes. L'épigénétique, ça c'est aussi un domaine très intéressant, c'est pas parce qu'un gène évolue souvent beaucoup plus vite que ce qu'on le croit aussi. Et les arbres, derrière. Eux, ils ont le même code génétique d'un bout, et tout d'un coup, ils mutent au milieu, et ils ont un autre code génétique à l'autre bout de l'arbre. Et ils nous font des chimères. Nous, on a tendance à mourir, renaître, faire des générations, tandis que les arbres, ben, ils vivent tellement longtemps qu'en fait, ils mutent leur code génétique régulièrement. Donc, on pourrait imaginer aussi ce genre de choses. Et aller vers un hasard qui est influencé par le futur dans une solution qui nous aide à aller dans la bonne direction. C'est un peu l'alpha et l'oméga de Teilhard de Chardin aussi, qui nous dit qu'il y a une téléologie. Mais ça, on entre directement dans le religieux, dans le spirituel plutôt.
Et ça passe pas du côté de la science matérialiste qui s'est construite en opposition à la religion. Donc remettre quelque chose, ça aurait... On a l'impression que ça repart en arrière. Mais en fait, bah, aller au-delà du rationnel, on a le transrationnel, et puis aller dans des... dans les... la spirale dynamique, j'explique aussi toutes ces étapes à franchir pour aller au-delà. Il y a l'étape orange, qui est vraiment l'étape dans laquelle on a la science qui se construit, en opposition à l'étape bleue, qui est juste avant, qui est le dogme religieux, le livre... le fondamentaliste du livre. Donc là, bah, c'est intéressant, mais peut-être qu'on peut aller au-delà et voir les choses autrement. Donc si je reviens à ma gestion de projet informatique, bah, je n'ai que des branches qui existent, comme les branches d'arbres ici, on appelle ça des branches, et avec des versions stables, et puis plusieurs variantes, plusieurs versions, plusieurs manières de faire la même chose. Des fois en parallèle, il y a des gens qui testent une autre manière de faire et qui sera peut-être intégrée plus tard. On croche une brique au train. Donc on a des branches, et puis par exemple dans la branche master, c'est la branche maître de laquelle c'est celle qu'on va publier. Donc à chaque état stable, on fait ce qu'on appelle un commit, donc on l'enregistre quelque part, cette version. Et on a une branche de développement, on a une branche master qui est celle vraiment totalement stable qui va être utilisée par les utilisateurs. Et puis tes branches exotiques, j'ai envie de tester ça d'un côté, d'une autre manière de faire de l'autre, voir si ça marche. Donc c'est toutes des branches qui existent en parallèle. Donc je vais te mettre quelques infographies pour que tu vois à quoi ça ressemble aussi en informatique ces branches. Donc on a de nouveau cette espèce d'arborescence de lignes floues qui peut exister. Puis des fois on voit qu'il y a des embranchements un peu différents, on est revenu en arrière, on a décalé un bout, on le remonte, on le raccroche. Et ouais, ça fait cogiter. Est-ce que le temps c'est une chaîne de causalité, d'état stable, et entre deux il peut y avoir des bizarreries qu'on ne connaît pas, et puis on peut décrocher les chaînes et les raccrocher plus loin, avec des causalités différentes. Mais du coup il n'y a plus de temps absolu. Est-ce que l'Égypte ancienne, ben, je l'accroche plus récemment, et puis je la fais fonctionner comme ça, ou je la recroche, je la remets dans le temps à un moment donné, peut-être que ben, ça fait des bugs. Il y a des gens qui avaient des connaissances très récentes qui sont remises dans un temps très lointain. Il y a des bouts qui disparaissent. Peut-être que en refaisant des lignes de temps et en réarrangeant notre passé et notre futur, donc en réarrangeant la requête SQL que je vais faire pour réaligner toute ma ligne de temps, ben fait que j'ai une chronologie qui évolue, qui est peut-être pas la même maintenant que ce qu'elle était par le passé. Alors déjà, on sait que l'histoire, ça se réécrit. Mais peut-être que comme ça, c'est vraiment un phénomène physique qu'on peut concrètement changer le passé. À méditer. Alors, dans les projets informatiques, on définit aussi des milestones. Les milestones, c'est des bornes. C'est de l'anglais, c'est des jalons. Moi, j'aime bien utiliser le mot jalon aussi. Donc, il y a des projets où on est un peu dans le flou, on ne sait pas où on va, on réagit beaucoup plutôt que d'agir. Il y a des projets très clairs, comme par exemple WordPress qui fait du blog, justement. C'est un projet qui est très bien géré, où on sait que tous les 6 mois, en général autour de Noël et en plein été, il y a une version majeure qui sort, et puis tous les mois, ou presque, il y a des versions mineures qui sortent, stables, et puis on sait ce qu'on veut mettre dedans, on connaît, donc on lance l'intention qu'à cette période, on va intégrer ça, on va intégrer ça, on va intégrer ça. On a des jalons, on sait qu'on va aller à ce moment-là, à ce moment-là. Donc on connaît déjà le futur en fait. On le prédit, on le programme. C'est un rendez-vous qu'on se lance, puis qu'on se dit, bah, cet endroit-là, j'aurai ça. Je regarde les arbres là derrière, puis je me dis, et voilà, moi j'ai envie de que mon arbre, il aille là. Et puis je vais tout faire pour mettre des câbles, et tirer, le favoriser là, puis je vais peut-être tailler les branches de l'autre côté. On fait ça avec les arbres fruitiers. On les taille d'un côté, on donne de la force dans une branche plutôt que dans une autre, et puis on les réarrange comme ça. Donc peut-être que ben on fait de la taille de ligne de temps, et du coup ben, on change pas mal de choses comme ça. Alors tous ces jalons qu'on utilise en informatique, moi je fais l'analogie avec les lignes de temps. Et effectivement, hein, il y a des périodes de la vie qui sont plus ou moins floues, il y a des grands passages, des rites et des choses qui sont plus floues. Donc par exemple, la semaine dernière, je suis allé en vacances, j'ai pris le train, donc j'avais pris un billet à un moment bien précis et j'ai le droit de prendre que ce billet-là, comme ça je l'ai eu moins cher. Donc vraiment, la falaise, c'est la course, on doit prendre ce train. Donc c'est un rendez-vous fixe. Alors je l'ai pris plusieurs jours avant, comme ça j'ai un bon prix.
Et puis, ben, je sais que j'ai programmé mon futur, là, c'est clair, je vais tout faire pour arriver à ce moment-là précisément. Il y a une énorme probabilité que ben, je serai là à ce moment précis. Par contre, après, c'est les vacances. Alors, j'ai un billet d'aller, un billet de retour, mais entre deux, aucune idée de ce que je fais. On débranche, on fait autre chose. Donc, voilà, c'est un moment très très flou. Donc, il y a des moments très clairs et des moments très flous. Et si je regarde les petites infographies qui permettent de voir les différentes versions qui ont été faites dans le logiciel de gestion informatique, j'observe aussi ça. Il y a des endroits où la probabilité est très 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 fiable et tout passe par là. Puis il y a des endroits où il y a plusieurs branches en parallèle. Il y a un flou, on ne sait pas trop par où c'est passé. Donc là, on a des lignes de causalité, des lignes de temps. Il y a des choses qui sont stables et des choses qui sont moins stables, des chemins stables ou pas stables. Et quand on fait de la randonnée, par exemple, il y a aussi des endroits comme ça. Il y a un passage obligé, il y a un pont sur une rivière, tout le monde va se retrouver sur le pont, alors qu'avant, il y a plein de chemins possibles, plein d'obstacles, plein de trucs qu'on peut contourner. Et on voit, ben, il y a par exemple souvent un château, à l'endroit où il y a une gorge, à l'endroit où il y a une colline, puis il y a des gens qui taxent le passage, qui observent, c'est des passages obligés. Donc il y a aussi des notions de probabilité qui est très différente. Par exemple, on a aussi ben, la météo. On sait que l'hiver, ben, on a une condition différente de l'été. Mais entre deux, ben, il peut y avoir des variations très différentes. Le climat et la météo ne sont pas la même chose. On a des notions différentes. Et ce que je préfère, en fait, c'est les méandres d'une rivière. Forcément, une goutte d'eau, elle va couler, elle va descendre d'une rivière. Et elle va descendre la montagne. Et elle va arriver à un endroit bien, bien précis qui dépend de la gravité. Elle ne peut pas passer par-dessus la montagne d'un coup. Elle va suivre le fond de la vallée, elle va suivre la gravité. Il n'y a pas de ligne droite non plus, alors il y a des spirales, il y a des méandres, des choses comme ça. J'aime bien voir le mouvement de l'eau, je me dis qu'il est en spirale comme ça, puis qu'on voit que le plan horizontal, en fait, elle se déplace en spirale. Vous avez déjà vu, hein, jamais, si on met de l'eau qui coule sur une surface lisse, un capot de voiture par exemple, hein, ben, elle va jamais aller tout droit, elle va faire des espèces de méandres comme ça, parce que moi, je pense que c'est juste que l'eau fonctionne en spirale, comme beaucoup de choses dans la nature, mais qu'on n'a que le plan horizontal. Du coup, ça fait un serpent, serpent. Donc, si je regarde un fond de vallée, je vois tous les petits méandres, les innombrables possibilités pour une goutte d'eau de passer d'un côté ou l'autre du rocher, mais finalement, elles vont toutes se retrouver dans la gorge à la fin. Dans une cascade, il y a plein de gouttes qui passent par là, il y en a qui sautent devant les autres, il y en a qui coulent en masse, il y a des électrons libres, hein, et puis la grande masse du courant qui passe à un endroit. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui me fait beaucoup penser ben, antagonisme, libre arbitre, destin. J'ai un libre arbitre, je peux faire des choses, mais à un moment donné, on dit, on doit passer par là, t'es obligé, donc là, c'est ton destin. Il y a des points de rendez-vous qui ont été créés comme ça. Alors, il y a des gens qui disent que y a dans l'entrevie, entre deux vies, dans la réincarnation, tout ça, on programmerait des expériences qu'on a envie de vivre. On peut faire tout ce qu'on veut ailleurs, mais à un moment donné, on doit vivre une expérience particulière. Voilà, c'est ce qu'on trouve un peu dans le milieu de la spiritualité. Il y a des choses comme ça. Ça rejoint passablement ça. Et si je vais voir du côté de la physique quantique, les particules, quand je parlais du photon, tout ça, elles sont associées aussi à des fonctions d'onde. On parle de fonctions d'onde, c'est une densité de probabilité de présence de la particule. Comme mon chat de Schrödinger, il est mort et vivant en même temps, il y a une densité de probabilité que ce soit là ou pas là, ou que ça arrive. Comme dans l'expérience de Jung avec la diffraction, il y a une densité de probabilité, en fait, d'être présent à un endroit ou pas. Donc c'est comme ça qu'on explique qu'en fait mon photon tout seul, il va taper à un endroit précis qui correspond à une fonction d'onde. On lui a dit, ben, pour faire une bonne diffraction, c'est ça l'idéal, mais tu as le droit d'aller que à cet endroit qui correspond à ma figure de diffraction et pas à ma figure d'interférence au milieu. Et du coup, t'es pas totalement libre, tu dois aller à cet endroit-là. Donc c'est des fonctions d'onde qui accompagnent toutes les particules, c'est comme ça qu'on les représente. Donc le temps est un phénomène hautement quantique. Et on a toujours l'habitude de dire que ben, les astres sont régis par la gravité, les grosses masses, et donc la théorie de la relativité. La mécanique céleste est très précise pour ça. Par contre, dans l'infiniment petit, dans les ondes, dans tout ce qui est des couleurs, par exemple, l'effet photoélectrique, on en a parlé. Ça, c'est réagi par la physique quantique.
Et là, est-ce que le temps ne serait pas un phénomène quantique et la probabilité aussi, comme mes histoires de vacances, plus ou moins floues, il y a une densité de probabilité là aussi, à une échelle beaucoup plus grande. Donc on parle de décohérence, hein, parce que les atomes sont totalement vides, donc je devrais pouvoir traverser ma main quand je tape sur l'autre, et il y a une probabilité non nulle que ma main passera à travers l'autre, mais il faudrait que tous les atomes soient alignés totalement de la même manière. Et la probabilité que ça arrive est tellement faible que ça n'arrive pas. Et la décohérence fait que justement, c'est le principe de dire qu'on est à une échelle quantique, à l'échelle de la longueur de Planck, tout se passe de façon quantique, avec ses probabilités, des phénomènes assez étranges, et puis tout d'un coup, il y aurait une décohérence qui fait qu'à l'échelle macroscopique, ça fonctionne autrement. Ben là, je suis franchement en train de me poser la question si en fait, non, on n'est pas justement dans le même principe de physique quantique, de densité de probabilité. À voir, hein. J'avais lu un bouquin il y a bien longtemps de science-fiction dans lequel il y a un gars qui arrivait avec son cerveau justement à faire cette décohérence et à choisir la bonne version. Donc il arrivait à se rendre invisible partout où il voulait aller, il arrivait à ouvrir les cadenas impossibles à ouvrir parce que il devenait super cambrioleur parce que il pouvait se balader au milieu de la foule, les gens tournent la tête au même moment où il passe. J'ai déjà essayé de programmer ça, c'est pas totalement réussi encore. Mais les codes, des fois il y a de la chance, on arrive à faire des trucs. Et alors là, la physique quantique, les particules, les fonctions d'onde, on a la spiritualité, on a la nature, comment elle fonctionne. Il y a quand même pas mal de choses qui tendent à montrer une certaine analogie dans ce fonctionnement. Et puis, l'énergie, c'est ce que j'appelle aussi la monnaie de l'univers. Alors, j'ai fait beaucoup de vidéos sur la monnaie. La monnaie, c'est quelque chose qui est aussi une de mes grandes passions, une de mes marottes qui revient souvent. Et l'énergie, pour moi, c'est la monnaie de l'univers. D'ailleurs, le Bitcoin, si ça fonctionne, c'est qu'on l'a lié à l'énergie. Celui qui veut tricher doit dépenser exponentiellement plus d'énergie que ceux qui ont mis en place la blockchain. Donc, en fait, il ne va pas tricher parce qu'énergétiquement, ça va lui coûter très très cher. Donc des fois il y a des phénomènes où l'énergie est bon marché, beaucoup moins chère ou plus chère, et ce qui fait que le Bitcoin devient plus ou moins rentable à miner, à utiliser, et du coup ben, on a aussi les phénomènes de spéculation, et c'est totalement lié à l'énergie, et c'est pour ça qu'on ne peut pas tricher avec le Bitcoin, parce que c'est verrouillé par l'univers, les lois de la physique, les lois de l'énergie. C'est pas un phénomène artificiel où quelqu'un pourrait bidouiller la base de données, non, il faut vraiment avoir l'énergie qu'il faut pour pouvoir faire ça. Donc ça, l'énergie est la monnaie de l'univers, le crédit existe aussi. Il est possible de faire des effets tunnels. On peut emprunter de l'énergie pour passer une barrière énergétique et faire pouf, pouf, je passe de l'autre côté. Donc c'est très intéressant. Et le temps entre ces deux trucs, en électronique par exemple, on a des diodes à effet tunnel. Tout d'un coup, il y a du courant qui passe comme ça. Ben, il passe d'un côté à l'autre. C'est pas tout à fait l'intrication quantique, mais entre deux, on sait, c'est un peu bizarre, on connaît pas le temps. Il y a tout un débat des physiciens autour. On parle de l'effet Hartmann. Il semble qu'en fait, la particule va plus vite que la vitesse de la lumière là au milieu. Mais on se dit, c'est impossible d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. Alors il y a plein de théories. Il y a des gens qui disent que ben c'est plutôt que en fait on interprète l'information plutôt que le support de l'information, donc l'information peut pas arriver avec son support. Tout un charabia, moi je vois ça comme étant mon programme Git avec lequel je fais deux commits. J'ai une cohérence globale à un moment donné, une cohérence globale à un autre moment, puis entre deux, ben, je bidouille. Puis c'est incohérent, mais ensuite ça va redevenir cohérent et j'enregistre que le cohérent. Donc tu passes d'un état à l'autre, clac clac, un saut quantique, c'est exactement ça dont on parle, c'est un saut quantique. Les sauts quantiques, c'est un crédit. Je reçois de la monnaie, je l'utilise et je la rends plus tard. Donc avec ça, on peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, on peut voir, mais c'est parce qu'on sort de l'espace-temps. Donc voilà, est-ce que dans l'histoire de mon vélo, est-ce que je serais sorti de l'espace-temps, j'aurais pu voir des informations, revenir avec ça, ou est-ce que je l'ai programmé? Je me pose toujours la question, hein, quand même. Donc j'ai toujours ce principe de conservation de l'énergie qui fait que ben, mon état stable, c'est ça ou ça. C'est comme ça que je vais déterminer mon commit là au milieu. Et pour revenir à la monnaie de l'univers, ben c'est les états stables, la conservation du principe de la conservation de l'énergie, premier principe de la thermodynamique. Et dans le domaine bancaire, ben c'est les bilans. Les bilans, c'est une photo à un moment donné. Alors on fait des bilans en fin d'année, on
vérifie d'une année à l'autre comment ça a évolué, et entre deux, il ne s'est presque rien passé. Alors, on peut faire des bilans beaucoup plus régulièrement, il y a toujours une fréquence d'échantillonnage à laquelle on fait des bilans, mais entre deux bilans, qu'est-ce qui se passe? Alors, par exemple, on connaît avec l'affaire Kerviel, hein, ce trader qui avait réussi à gagner des milliards et en perdre beaucoup tout d'un coup avec la crise bancaire des subprimes. Et il avait réussi à flouer les contrôles de sa banque parce qu'il mettait toujours « j'ai perdu beaucoup et j'ai gagné beaucoup ». Donc en fait, ça s'équivalait à très peu. Et puis, ça ne déclenchait pas tous les contrôles de surveillance de ce qu'il est en train de faire. Et avec ça, il faisait toujours des crédits, des crédits, des crédits, des crédits. Il augmentait, il augmentait, il augmentait. Et il pouvait en fait générer une monnaie gigantesque, aller jouer sur les marchés, arrêter, sans que personne ne voit rien. En créant de la monnaie à partir de rien, jouant avec, il ne reste plus que les effets de cette monnaie. Mais la source, elle n'est pas censée exister. Donc du coup, on a aussi des bugs qui arrivent comme ça dans le système économique parce qu'on n'est pas censé avoir la monnaie qui a fait ses jeux en bourse, vu que cette monnaie a été créée et détruite sans que personne ne le sache. Donc ça, c'est ce que font toutes les grandes banques. Hein. Pourquoi quand on fait un virement à quelqu'un qui habite juste à côté de chez soi, dans la même banque, ça prend 3 jours? Alors qu'en fait, on sait que le système bancaire fonctionne au quart d'heure et puis qu'on a des transactions maintenant instantanées à l'autre bout du monde, on se pose la question pourquoi ça prend 3 jours. En fait, ils collectent des masses de données, des masses d'argent, ils jouent avec et puis ils les reprennent. Mais encore mieux, ben, c'est faire comme Kerviel, et puis créer la monnaie, jouer avec. Donc du coup, ça fait des bugs aussi. Et potentiellement qu'il y a des créations comme ça qui peuvent se faire avec la monnaie. Donc c'est la cohérence entre le temps et ces états qui doivent être cohérents avec la loi de conservation de l'énergie. Ben, on voit qu'il y a des analogies toujours à faire. Mais alors dans les grands principes de l'espace-temps, on a aussi cette notion du second principe de la thermodynamique, l'entropie, donc la perte de qualité. Et ça va nous donner la flèche du temps. Si j'utilise, j'en ai déjà parlé quelques fois, une source d'énergie, passer de quelque chose d'utilisable à inutilisable, c'est aussi, si par exemple j'ai un verre d'eau qui se casse par terre, reconstruire mon verre, ça ne va pas être possible. Là, il y a un sens. Donc si je regarde un petit film, je vois des astres, la lune qui tourne autour de la Terre, je la vois dans un sens ou dans l'autre, peu de peine à décider, à détecter le sens, dans quel sens va le temps. Alors que, en fait, c'est très très clair, quand on voit un verre qui se brise, y a un sens. Quand je crée, je mets mon chocolat en poudre dans ma tasse de cacao, là, ma tasse de lait, je le mélange, pour le sortir le mélange, c'est impossible. J'arrive pas, je peux plus revenir en arrière. Donc j'ai une causalité, j'ai des événements qui vont dans un sens, j'ai quelque chose qui est très très clair. Donc c'est l'irréversibilité du temps. Et ça c'est quelque chose justement qui nous pousse à dire qu'on ne peut pas changer le passé. Alors que dans la théorie de Philippe Guimond et dans plein d'autres pratiques, on pourrait changer le passé. Alors moi j'observe aussi, on prend l'entropie, c'est quand on met des enfants dans une pièce, du coup il y a tout qui est l'un sur l'autre. Il suffit de sortir la petite perforatrice, puis de montrer que dedans il y a des confettis, il y a des confettis partout et ils ne rentrent plus dans la perforatrice. C'est déjà l'enfer, quoi. Faut tout ranger, faut tout ressortir, tout est détruit, on laisse des enfants jouer avec ça. Ah ! Mais c'est pas grave, voilà, tout d'un coup on a le chaos qui arrive. Il faudrait mettre de l'ordre dans le chaos. Donc il y a la négu-entropie, l'entropie négative qui met de l'ordre dans le chaos, et c'est la vie. La principale caractéristique de la vie, c'est cette négu-entropie. Donc la vie peut remonter le temps, on pourrait se dire. Peut en tout cas résister aux effets du temps. Alors il y a des théories qui ont été faites, notamment sur le démon de Maxwell, qui est une théorie qui fait le lien entre la théorie de l'information et la théorie thermodynamique. Le nom entropie, il est utilisé aussi, en télécom, on utilise l'entropie d'une source. C'est l'information maximale chaotique qu'on peut transmettre dedans. Et c'est comme ça qu'on peut faire des ADSL, VDSL, envoyer de l'information maximale. On a su par la théorie que c'est possible, dans un câble comme ça, d'envoyer tant d'informations. Et ce démon de Maxwell, c'est une espèce de paradoxe où il se dit que pour remonter le temps, en fait, on pourrait connaître en associant une information avec chacune des particules. Donc si je
Je connais mes particules de cacao où elles se trouvent. Je peux remonter le temps et les remettre dans le sachet de chocolat. Et mon chocolat chaud redevient une tasse de lait chaud. Alors voilà, bah ça c'est. Si j'ai suffisamment d'informations, je peux remonter le temps. Après, où est-ce qu'elle se trouve cette information? Comment on la mémorise? C'est encore autre chose. Mais c'est une idée pour faire une machine spatio-temporelle. Donc on a l'équation d'Einstein, E égale mc carré. On fait intervenir de l'énergie, de la masse, et puis la vitesse de lumière, la célérité, la O carré. Et avec ça, on fait une équivalence entre masse et énergie. On joue avec tout ça. Et il y en a des machines qui jouent avec l'énergie, qui jouent avec la masse. Ça, c'est justement le nucléaire. On fait de la fission ou de la fusion nucléaire. On joue avec la masse des atomes. Et c'est dans ces énergies de liaison, dans cette masse, qu'on arrive en fait à créer et sortir de l'énergie de là. Et puis, en faisant un travail, on crée de l'énergie aussi. Et puis, ben, je me dis qu'il y a une possibilité aussi, ben, à tous les gens qui pourraient être intéressés à creuser cette idée-là, c'est trouver une machine qui, elle, joue sur le temps. Parce que finalement, si on a un moyen de, avec par exemple la théorie de l'information, de connaître le temps, on pourrait faire des machines spatio-temporelles qui, par exemple, créent un mouvement perpétuel, ben, en connaissant l'information pour remonter le temps. Du coup, on perd avec l'entropie la machine et hop, on se retrouve déjà au début et hop, et on peut faire une boucle spatio-temporelle. On a une source d'énergie infinie là-dedans. À méditer. Bon, si je reviens à mon histoire de vol de vélo quand j'avais 13 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai vu le futur? Est-ce que je l'ai programmé? Là, je ne sais toujours pas. On a bien épilogué, on a regardé plein de choses. Qu'est-ce qui est le plus probable? Alors, si on synthétise un peu tout ça, hein, Martouf le synthéticien, on a vu la métaphore de l'article de blog. Il est programmé, il est publié dans le futur. Il existe déjà, mais il n'est pas encore manifesté. Donc, potentiellement, je pourrais avoir créé quelque chose comme ça. Si je vais faire du canoë sur une grande rivière, je peux choisir mon itinéraire. Il y a plein d'endroits. Je passe des jalons. Donc, il y a une ligne de temps, elle passe par des jalons, des milestones. Des endroits que j'ai prévus, des rendez-vous, des points de haute probabilité, comme la fonction d'onde des particules quantiques, elles ont des points de haute probabilité et des points de faible probabilité. Il y a des grandes étapes qui sont obligatoires. Et ça, c'est aussi collectif, hein. On verra un petit peu plus loin. Finalement, je pense qu'on vit tous dans le même monde, hein. On n'a pas les multivers, ce genre de choses. On vit tous dans le même monde et on s'influence les uns les autres en choisissant un futur collectif. Et du coup, la multidimensionnalité de tous nos futurs va se faire entre nous. Et donc on a aussi des objectifs en commun. Là, on est dans la notion de la manipulation de masse, de quel est le futur que je veux pour les gens. On y reviendra un peu plus tard. Donc déjà, rien que pour moi, personnellement, si je peux lancer des intentions dans le futur, est-ce que je peux programmer ce futur? Là, je me dis quand même que l'histoire de vélo, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai eu cette situation, j'ai eu peur. Je me suis dit, ah, c'est là, je vais me faire voler, ce lieu, je le sens pas. J'ai programmé le fait que j'étais déjà pas bien avec des émotions. Ça va être important. On le reverra juste là après. Et cette histoire va permettre de programmer ce futur et ensuite je serai guidé pour accéder à ça. Alors Philippe Guimond, dans sa théorie, il parle aussi des synchronicités. Donc des relations qui n'ont pas de causalité propre, mais juste une causalité, un sens en commun. Il y a une histoire et une coïncidence incroyable qui arrive. Et puis ça, c'est juste un petit clin d'œil pour dire t'es sur le bon chemin. Alors on est guidé pour aller à la destination qu'on a programmée. Donc je lance une intention dans le futur et mes choix présents sont influencés par deux causes, les conditionnements du passé, d'où je viens. Quelles sont mes croyances et tout, et les résultats que je vais atteindre dans le futur conditionnent aussi. Donc le futur conditionne mon présent. Et voilà, paf, je rejoins ce que Philippe Guimond dit avec sa théorie de la double causalité, de l'espace-temps flexible. J'aime bien aussi la métaphore du chemin de fer. Quand tu planifies ta destination, peu importe par où tu passes, mais tu vas aller à la destination. Mais tu peux choisir de changer de destination en cours de route. Tu peux dire, voilà, je vais aller ailleurs. Mais il faudra peut-être acheter un nouveau billet. Ça va peut-être être compliqué.
Il y a aussi la métaphore de la randonnée. Tu peux aller randonner à quelque part, choisir un passage, puis en cours de route, tu vois un chamois, tu le suis, tu fais un autre chemin. Ou alors, il y a la météo qui arrive, il y a un orage, tu dis, ouh, on va écourter, et je change de destination. Je vais plutôt là-bas que d'aller ici. Et du coup, je vais changer ma destination. Alors là, je vais reprogrammer le truc. Et si je me balade avec un GPS, ça change tout. Alors je me laisse guider par mon GPS, puis tout d'un coup je dis non, je vais aller là-bas. Et puis là, la madame du GPS, elle va crier, elle va dire non, 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 vous faites fausse route, non, prendre la prochaine sortie, revenir dans l'autre sens, vous n'êtes pas au bon endroit, blablabla. Et là, c'est la loi de l'emmerdement maximum, tout d'un coup tout foire parce que on n'est pas sur le bon chemin. Mais peut-être que justement, c'est quand tout foire que ça montre bien qu'on a changé de destination, qu'on a vraiment pris en compte. Et là, tout d'un coup, il faut juste cette période difficile de faire le virage. Je dois contourner, je dois aller à contresens sur l'autoroute pendant un bon moment pour trouver la prochaine sortie, pour revenir et reprendre ma vie et pour aller ailleurs. Donc des fois, si tu te fais emmerder, si tu as l'impression que tout foire, puis que tu avais fait un choix d'aller dans une direction avant, c'est peut-être que justement ton ancien futur est en train de se réaligner avec ton nouveau futur, tu y vas vraiment. C'est juste la madame du GPS qui crie non, 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 non. Alors voilà, si tu te laisses conditionner par ton passé, ah non, mais moi j'ai des croyances limitantes, je suis trop pauvre, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas le temps, je peux pas. Ah, je connais rien à ça, non, mais tu vois, non, je suis pas légitime, non, ah, je connais rien, faudra que je fasse trop d'études pour reprendre, enfin, c'est pas possible, non, mais arrête de rêver. Voilà, ça c'est tous les gens qui se conditionnent. Puis qui vont vers un futur de merde, parce qu'en fait, ils se laissent conditionner par leur passé, alors qu'ils pourraient lancer une intention dans le futur et se laisser guider par les signes, les synchronicités, comme dit Philippe Guillemont, qui permettent en fait de voir qu'on est sur le bon chemin. Te dire oui, c'est juste, avance. Et je connais plein de gens à qui il arrivait plein de trucs comme ça, et moi aussi, j'en ai vécu des synchronicités assez rigolotes, où on se dit, ouais, là, il y a quand même quelque chose, je vois pas comment ça peut s'expliquer rationnellement, autrement que par. Le futur qui nous guide vers là où on doit aller. Donc ça, c'est super intéressant. Et du coup, je t'invite à programmer des bons futurs, parce que le futur est collectif. Alors moi aussi, j'ai intérêt à venir à avoir un bon futur, hein, parce que 1984, le roman de George Orwell, c'est pas un mode d'emploi, hein. C'est un roman de fiction, une dystopie. C'est l'endroit où on ne doit pas aller. Donc voilà, je t'incite à ne pas trop t'intéresser aux dystopies, mais de faire les bons futurs potentiels. Alors on va rejoindre aussi ce souvenir du futur, notre ami Romuald Le Terrier, qui est un anthropologue qui a décrit plein de choses aussi, comment les Indiens en Amazonie ils pratiquent ce genre de choses depuis bien longtemps. Et c'est assez complémentaire. Il connaît bien Philippe Guimond aussi, avec qui ils se sont dit c'est marrant, ça colle tout ça. Donc, il fait des expériences pour faire des synchronicités, pour générer des choses, et ça marche. C'est assez impressionnant. Et tout ça, on doit respecter les lois de la thermodynamique, tout le temps. Donc, ça nous donne des choses qui sont intéressantes. Mais qui voit qu'on s'est cadré, donc libre arbitre ou destin, des fois c'est le destin parce qu'en fait on doit trop changer un libre arbitre, mais on a un libre arbitre qui permet de bouger un tout petit peu, un tout petit peu. Mais l'information voyage et elle voyage très 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 loin. Et elle voyage quand on met les choses en mouvement par les émotions. Et les émotions sont très intéressantes. J'ai déjà aussi fait tout un article sur comment gérer ses émotions. Parce que c'est très important. Le mot émotion, il vient de motio, qui veut dire mettre en mouvement. En anglais, emotion, motion, le mouvement aussi, on sent. Donc c'est l'énergie qu'on a, qu'on met avec pour fournir ça. Donc c'est pour ça qu'il faut des émotions et pas juste ah, je vais aller là. Quand on doit lancer l'intention, on doit lancer l'intention et émettre l'information et donner cette énergie à l'univers pour que les lois de la thermodynamique soient respectées, pour qu'on fasse voyager cette information le plus loin possible. Alors en faisant cette vidéo, je vais influencer peut-être mon futur de quand j'avais 13 ans,
Et en envoyant de l'énergie pour me revisualiser là, puis dire ça va merder mon gars, t'auras ça. Mais du coup, ça va te déclencher des réflexions sur ta vie qui te mènent ici. Et on est dans cette espèce de boucle spatio-temporelle. Là, ça commence à devenir vachement intéressant. Et Romuald de Terrier a quelques expériences intéressantes avec des gens qui ont gagné au loto, par exemple, en ayant reçu l'information d'eux-mêmes dans un rêve de la combinaison gagnante. Et ça marche. Mais il faut envoyer beaucoup d'émotions le jour où ils se rendent compte, oui, en fait, j'ai gagné grâce au jour-là. Et une telle émotion que ça renvoie de l'énergie qui permet de faire voyager l'information dans le temps et de programmer ce futur avec toute cette ligne de temps. À méditer, hein. Je te laisse faire une toute petite pause là pour bien cogiter. On peut créer des boucles spatio-temporelles, hein. Tu peux créer, comme dit Romuald de Terrier, la machine qui va t'envoyer toi-même depuis le futur la machine avec les plans pour faire la machine qui voyage dans le temps. Et cette machine, tu reçois les plans avec la notice qui dit que tu dois te l'envoyer dans le passé, une fois que tu as la machine pour envoyer des informations dans le passé. Et du coup, elle vient d'où cette machine? Qui a créé les plans? Personne. Elle vient de cette boucle. C'est juste que ça existe parce que tu l'as imaginé. On peut imaginer des choses et du coup, ça se crée. Mais il faut y mettre l'émotion. Il faut y mettre l'intention. Il faut avoir un rituel magique. C'est là qu'on va tomber dans la magie. Allez, une petite méditation. La magie. L'image. Alors, à propos de magie, il est temps de mettre en pratique comment ça marche. Donc, si on peut créer une intention, on lance dans le futur, on envoie de l'émotion qui va donner de l'énergie pour qu'elle voyage dans le temps, et ensuite, ben, on a une cause dans le futur et des conditionnements dans le passé qui nous amènent là où on a décidé, là où cette intention nous guide. Donc, si je veux faire de la magie pratique, eh bien, voici un petit récit d'une expérience qui m'est arrivée ou comment j'ai reçu un nouveau MacBook Pro. Pouf, il est arrivé. C'était assez magique. Donc, petit contexte. J'avais un MacBook très très bien qui avait 8 ans. Il fonctionnait encore, mais qui avait plein de problèmes. Au point où là, je me suis dit, il faut vraiment le changer parce qu'il n'y avait plus grand-chose qui fonctionnait. Il surchauffait, il y a des cartes graphiques, il y en a une qui était morte, une autre qui tenait encore, mais heureusement, enfin bref, toute une histoire, ça n'allait pas très bien. Donc, ben, j'ai regardé les prix, puis je me suis dit, waouh, ben, chez Apple, ils ne baissent pas les prix, hein, ça augmente même. J'ai regardé la configuration que je voulais, le top du top, 4 500 balles. Ouais, et mes finances étaient vraiment au plus bas. J'ai dit, j'ai pas les moyens. Donc j'ai repoussé, j'ai repoussé, j'ai repoussé. Puis mon ordinateur a commencé à faire se dégrader, se dégrader, se dégrader toujours plus. Plus de lecteur de carte SD, plus de clavier même. J'ai dû avoir un clavier externe. C'était un peu compliqué. Là, je me suis vraiment dit qu'il fallait faire quelque chose. Alors je me suis dit, ah, et si j'achetais un MacBook d'occasion? Ça va me coûter beaucoup moins cher. Mais j'aimerais bien, vraiment, j'aimerais un tout beau, tout neuf. Et j'ai testé un MacBook d'occasion. Totalement incroyable histoire. Boum! En moins d'une semaine, il est mort. Aussi. J'ai tout fait pour essayer de le sauver. Il démarrait plus. Bam! Aussi une histoire de carte graphique qui meurt. Chez Apple, quand t'as plus de carte graphique, tu peux plus rien faire. Alors qu'il y a plein de serveurs qui n'ont pas de carte graphique, pas d'écran, puis ça marche. Mais chez Apple, il faut une carte graphique pour démarrer. Mal conçu, hein. Alors j'ai réussi à résoudre le problème en partie, mais non. Du coup, de toute façon, voilà, je casse ma tirelire. Il me faut vraiment un truc de bien. Je me lâche la grappe, comme dirait Lulumineuse, qui fait des jolies petites vidéos pour nous expliquer comment on crée cette magie dans l'univers. En se lâchant la grappe, en arrêtant de faire quelque chose, de cristalliser, de construire quelque chose de vraiment, de ne pas lâcher. Les émotions, c'est fait pour être fluidifié, tandis que si on les cristallise, puis qu'on les garde, on garde des tensions, donc elle dit vraiment se lâcher la grappe. Donc voilà, je lâche,
C'est pas grave, j'aurai un tout nouveau. Et c'est là, en lâchant, qu'enfin tout se met en place. Il y a un de mes collègues qui me dit: ah, mais en fait, si tu veux 500 balles de réduction, il suffit d'attendre un mois, parce qu'il y a une offre spéciale qui arrive. Super système universitaire et tout, là que je découvre qu'en fait, j'ai droit à des accès spéciaux à vie, parce que j'ai eu un diplôme il y a 20 ans. Voilà, bah, c'est génial, hein. Pour une fois que ça m'avantage. Donc là, je me dis déjà 500 balles d'économiser, waouh! Une semaine après, hein, dans le temps d'attente de faire cette commande, j'ai une personne de ma famille qui me dit: tiens, voilà 2000 balles pour ton ordinateur. Ah, pour mon ordinateur? Ah oui, 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 il y a quelques années, tu m'as payé un ordi, j'avais pas les moyens. Maintenant, ben, c'est à mon tour de te rendre l'appareil. Tiens, voilà, tu pourras te payer un ordi. Wouah! Ben, j'avais pas prévu ça. J'ai oublié l'histoire, moi. Ah, ben, 2500 balles déjà qui arrivent. Quelques jours après, boum, mon relevé de compte bancaire, 2000 balles de plus qui arrivent de mon entreprise, qui me dit: ah, il y avait encore un décalage dans la compta, tu n'avais pas reçu ton financement budget pour matériel informatique qui devait arriver. Donc il y a encore 2000 balles qui sont là. Ah, j'avais complètement oublié ce truc-là, c'était pas prévu non plus. Apparemment, il y avait un retard. Donc tout d'un coup, pouf, 500 balles de réduction, plus 2000 balles que je reçois, plus 2000 balles que je reçois, 4500 balles. Je pensais que ça me ferait un trou de 4500 balles, et en 10 jours, je reçois 4500 balles. C'est magique. Je commande cet ordi, voilà, on arrive le bon moment, et tip top, j'ai tout ce qu'il faut. Et c'est pas juste, j'ai reçu de l'argent, donc je pourrais l'utiliser pour ça. C'est des gens qui spécifiquement me disent: voici de l'argent pour un ordinateur. Waouh, magique, hein? Donc je suis programmé. Ensuite, il y a la madame du GPS qui a dit: non, 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 prends pas un ordi d'occasion, prends pas un ordi d'occasion, c'est pas la bonne direction, c'est pas la bonne direction. T'avais mis l'intention dans le futur de vouloir avoir un vrai tout neuf. Et il faut lâcher, il faut faire confiance. Quand tu fais une commande sur le net, tu fais ta commande, puis après tu vas pas te poser derrière la porte pour voir le facteur quand il livre ta commande. Non, tu sais que ça prend 2 jours, 3 jours, 2 semaines. Suivant ce que tu commandes, et puis tu fais confiance. Tu te dis: waouh, c'est bon, j'ai commandé, ça va venir.